dans le manège. Bonjour Internet. Bonjour. On est tout timide. C'est bizarre de faire ça dans une si grande pièce. Oui, j'espère que ça résonne pas trop d'ailleurs. Est-ce que vous avez un écho? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez mal mais vous vous en foutez? Faites un sondage. Oh. Oh. Bonjour Mad, bonjour Logan. Hello. Je suis une jolie fleur timide. Pourtant, il a plus d'expérience que moi. Hein. Oui, mais c'est toujours un petit peu... émouvant. C'est toujours un petit peu le premier live, tu oh sais. Oh là là là. Et puis, toi, c'est ta première fois. Oui. Un moment émotion. Oui, j'ai envie de chanter Jeanne Masse. Oui. Alors, si Maï regarde, Maï, à un moment, il faut que tu bouges tes oreilles, c'est maintenant. Maintenant, je chante. Oui. Toute première fois. C'est bon, Maï, tu peux réécouter. Alors, on est là pour vous présenter notre BD Tech. J'ai failli dire notre bébé DD Tech. Notre bébé Tech. On vous présente notre bibliothèque de bébés. Tous les bébés qu'on a. Voilà. On a beaucoup de bébés. On collectionne les bébés depuis des années. Il y a Gilles, Kaibot, juste là-haut. Qui n'est pas content. C'est notre bébé numéro 1. Et ensuite, on a une grande collection de bébés en tout genre. Oui. C'est, je suis d'ailleurs bébéphile et toi... Non. J'ai rien dit, d'accord. Step too far. Voilà. Et c'est comme ça que l'eau est cancel. Voilà. Ne me bannissez pas d'internet. Également, je tiens à préciser que chaque BD de l'eau est un peu comme un de ses bébés, car ici, on est très protecteur des BD. Oui, je les aime très fort. Et... Oui, je suis très matérialiste avec les objets. C'est voilà. Ok, ça fait une belle déco dans nos salons. J'adore, on en a beaucoup. Voilà. Vous pouvez en voir ici, il y en a encore en dessous. On va vous faire une petite présentation d'un peu tout ce qu'on a, sachant que l'idée aussi c'était de faire un live de recommandations de bandes dessinées queer. Et ça tombe bien, c'est bientôt Noël, donc vous allez avoir des idées de cadeaux. Et ça tombe doublement bien, car en plus, la sélection d'Angoulême 2023 est sortie hier. Donc on va pouvoir en discuter un petit peu, sachant que j'ai vraiment... j'ai dû lire un dixième de la sélec. Mais il y a des trucs très chouettes, il y a des trucs que j'ai déjà, il y a des trucs que je veux lire. Donc il y a des trucs que t'as envie de lire. Oui. Genre Félix et tout ça. Donc voilà. J'ai aucune idée de comment on commence, et on peut faire... On peut faire étagère par étagère, en fait. Ouais, ou alors peut-être un peu genre... c'est quoi la BD que tu recommanderais en premier lieu? Ah, c'est quoi la BD? Genre, je dois en choisir une. La genèse. Mon top... Ah, alors, attends, non, c'est pas pareil. Parce que la genèse, c'est... Qu'est-ce qui m'a lancé dedans? Alors que... Non, je parle de la BD queer. C'est quoi? Ah, ma BD genre, queer. Si tu commences à t'intéresser à la BD queer, je sais pas si ça veut dire grand chose que je dis, mais voilà... Qu'est-ce que tu conseilles en premier? Ah là là, c'est difficile. Bah du coup, effectivement, alors, moi personnellement, ma première BD queer, vraiment queer, c'était, et du coup je l'ai pas, donc je pourrais pas vous en parler, mais un jour, c'est l'intégrale de Gwyn à suivre, de Bechdel, qui reprend, année après année, tous ces strips qui... paraissait dans, j'ai oublié le journal, mais voilà, donc c'était vraiment la
la vie de lesbienne et la communauté lesbienne à Los Angeles dans les années 80-90. Et c'est super chouette. C'est très très intéressant. C'est d'ailleurs l'origin story de la série The L Word. C'est Gwyn à suivre. Voilà. C'est ça mon history, mon origin story. Et toi, c'est quoi ton origin story? Bah ça va pas être très original. Bah c'est Alison Bechdel. C'est aussi Alison Bechdel. Et c'est ouais, classique. En vrai, c'est pas le sujet principal de la BD d'Alison Bechdel que j'ai découvert en premier, puisque c'était... Je crois que j'ai commencé par C'est toi ma maman plutôt que Fun Home. Ah ouais. Parce qu'à la bibliothèque de ma ville natale, Fun Home était tout le temps emprunté, parce que les gens ont du goût apparemment. Et du coup, j'avais commencé par C'est toi ma maman, qu'on a ici. Qu'on va vous montrer, et d'ailleurs, transition qui déchire encore, toujours pas de jingle, donc je le refais à la bouche, mais transition qui déchire! Hop, et on peut vous... Alors, pour que ce soit dans le bon sens pour vous, voilà. Hop là, ça c'est être efficace. Eh ouais. Donc, c'est le deuxième tome, le premier étant Fun Home. C'est cette nouvelle caméra, vraiment, je suis très content. Voilà. Alors, on peut ça remarquer... me rend très heureux. On peut remarquer que Alison Bechdel, bon, on n'est pas sur une BD qui se lit rapidement. Non, il y a beaucoup de textes. Les gigas pavés, ouais. Dotés de beaucoup de textes. Mais en plus, pas n'importe quel texte, Jamy. Il s'agit là de textes sur la psychanalyse et autres joyeusetés. Il n'y a pas à être technique comme ça un dimanche après. C'est vrai que... C'est vraiment... C'est pas des lectures... Enfin... C'est pas doudou, hein. Non. On va pas se mentir, c'est pas doudou. J'avoue que j'ai lu Fun Home plusieurs fois, mais que je n'ai jamais fini C'est toi, ma maman. Mad dit en majuscule, ah oui, la psychanalyse, oui. Oui, oui, Madeleine. C'est pour toi, d'accord. On notera... quand même un travail sur la couverture où on voit l'évolution du personnage principal dans l'ombre et ces deux couvertures en diptyque qui fonctionnent avec des couleurs opposées, avec des cadres opposés sur ses deux parents. Incroyable. Eh, y en a là-dedans. Y a des... Alison Bechdel. Il y a des gens qui savent faire des couvertures ici. Et aussi Alison Bechdel, bon, on va le rappeler parce que voilà, mais je pense que vous la connaissez pour le test de Bechdel. Qu'est-ce que le test de Bechdel? Eh ben, vous pouvez regarder mon live de mardi dernier parce que j'en parle. Allez, voilà, le test de Bechdel Wallace. La ref facile à aller voir les rediffusions de Moustique. Oui, c'est sur ma chaîne YouTube, mais je vais faire bientôt. Excusez-moi, on a un vomi en live. Oh non! Bon bah, Vénus est en train de vomir. Yes. Dans le coin de la porte. Les aléas du direct. I guess. Merci Vénus. Merci Vénus. Je vais aller nettoyer le vomi et je te laisse présenter Alison Bechdel et parler de sa nouvelle bande dessinée, Louise. Bah ça va être hyper pratique parce que je l'ai pas lu. Donc Je l'ai commencé, car j'ai réussi à la choper à la bibliothèque avant qu'elle ne soit prise d'assaut. Et il s'agissait de comment elle s'appelle déjà? Bah voilà, super, on est sur de la grosse, gros professionnalisme. Mais en gros, le sujet principal, c'est le rapport de Alison Bechdel avec le sport. Et c'est censé être la fin du triptyque de Fun Home et C'est toi ma maman. J'ai commencé, j'ai lu 4 pages, je vais pas vous mentir. Ah, coucou Clarou! Je vais pas vous mentir, ça m'est tombé des mains car je sais pas si c'était pire que d'hab en termes de densité de texte et de phrases vraiment longues et pas facilement compréhensibles, ou si juste j'avais pas la patience ce jour-là, mais vraiment c'était un peu intense. Sachant qu'en fait, une des raisons pour lesquelles j'adore Alison Bechdel, enfin en tout cas ses œuvres, c'est que ici on est là pour voir les familles dysfonctionnelles et les voir et les décortiquer, c'est ça ma passion. Alors si en plus c'est fait par une autrice lesbienne, si en plus elle parle du fait que son père était homosexuel à une période où c'était pas vraiment bien vu, et où elle parle du fait d'avoir grandi dans une maison qui est littéralement également un funérarium car son père est croque-mort, je vous cache pas que voilà, ici on est là pour le trauma porn, hein, excusez-moi. Et C'est toi ma maman, c'est sur son rapport avec sa mère,
qui était toujours très froid, un peu conflictuel. Et en gros, elle analyse un peu leur relation en parallèle de celle avec le père, dont elle n'était pas proche du tout. Et avec sa mère, elles étaient bizarrement proches, mais pas d'une bonne façon. Et du coup, elle parle des différentes phases de son enfance dans Fun Home et adolescence avec sa mère, où elle est en parallèle de ça, elle comprend qu'elle est lesbienne, et elle parle un petit peu de son cheminement pour ça. Voilà. Donc, si vous voulez lire des familles dysfonctionnelles avec de la suranalyse, écoutez, je vous conseille. Hein. Voilà. Après, à offrir à Noël, c'est un peu, c'est de l'audace, voilà. Parce que on n'est pas là pour rire et chanter, mais voilà. Et nous avons le retour de l'eau. Oh là là. Comment était-ce ? Ah, c'était un petit vomi. C'était un petit vomi. Tout va bien. Petit vomi de Vénus. Vénus va bien. Alors, c'est pas mal. Ça permet de faire une transition. Eh. Vous l'avez. Eh. Avec une autre bande dessinée qui est A Pink Story de Kate. Je te laisse prononcer son de famille parce que moi tu sais. Kate Charlesworth. Voilà. Voilà, c'était une belle prononciation. Ouais. C'est très rose la couverture. La lumière de la caméra ne rend malheureusement pas hommage. C'est une biographie. D'une anglaise, je vous montre la tranche, qui est très reconnaissable du coup dans les bibliothèques. On se demande de quoi ça parle. C'est marrant. Personnellement, j'arrive pas à savoir. Et voilà, et ben en fait. Diffraction de la lumière, non ? Tout à fait. J'adore le rose, dit Logan. Oui. Mais oui, tu as bien raison. Et donc, c'est une autobiographie en BD qui donc raconte l'histoire de l'autrice, de comment est-ce qu'elle a découvert son homosexualité, et en parallèle, on a aussi toute l'histoire du mouvement LGBTQIA+, en Angleterre. Et les avancées, les émissions, le théâtre, comment est-ce que dans les années 80, on essayait de cacher au maximum, ou alors il y avait des émissions de radio avec des personnes qui étaient ouvertement gays, qui étaient un peu censuré mais pas trop, qui était très apprécié du grand public. Donc c'est une très cool BD, enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Qui est effectivement, alors là aussi on n'est pas sur du simple à lire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, de textes, c'est très complet. Du coup on a régulièrement des encarts sur, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le quotidien, sur des œuvres. Voilà, donc là, le procès gay, hop là, Glad to be gay. Et donc, c'est à la fois une autobiographie, à la fois une histoire queer, une histoire des mouvements queer, et c'est très, très intéressant. Ça prend du temps à lire, encore une fois. Je pense que bientôt, on va vous présenter des choses plus simples, qui prennent moins de temps à lire. Mais je trouve que c'est un très bel ouvrage, qui est hyper agréable. Ah, 15 minutes, c'est l'heure de la pub. Nous avons la pub. Vous avez la pub. Mais on se retrouve après pour ceux qui sont abonnés à F1 TV. J'ai pas la ref parce que je suis pas abonnée à F1 TV. Un jour, bientôt. Dites dans les commentaires si vous voulez un live sur la F1. Voilà. Merci Madeleine. Pardon. Merci Madeleine. Merci d'être là pour... Il ne fallait pas m'inviter. Pour la F1, on fera... Ok, on fera un live F1, d'accord, j'accepte, j'ai dit oui. Logan, il dit qu'il a pas de pub, c'est ça, c'est ça le... Oui, c'est exactement ça. C'est le petit schlag, bah oui, il est abonné. Bravo, abonnez-vous. Merci, merci à Johnny Alligay qui s'est abonné hier, ça m'a fait un grand plaisir. Merci. Ça change la vie. Je vais gagner 1,64$ en plus. Allez ! Et oui. Mais qu'est-ce qu'on va... Ma question préférée ? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces 1,64$ ? Bah franchement, 3 mal à barre. J'ai assez pour, je pense, peut-être faire des cartes de visite. Ouh ! Est-ce que j'en aurais besoin ? Je sais pas, mais j'aurais un pain au chocolat et demi. Ouais. Allez. On va être bien. Si tu devais en choisir une... Une BD queer ? Une. Ok, mais c'est facile.
C'est facile, mais où est-elle? Elle est là. Attention, nous sommes sur... Ah, je pensais pas que tu prendrais ça, c'est une bonne idée. Eh oui, tu pensais que j'allais prendre... Je sais ce que tu pensais, mais je suis un être de surprise. Ouais. Bref, j'arrive pas à savoir où est la caméra, donc je fais là, des... Mais tu des peux la montrer regard, ici en dessous. Voilà. Ou voilà. Eh bien, et tu écoutez, peux nous en parler. Il s'agit de la BD Le Jardin de Gaëlle Genier. Genier, hein, je sais jamais le prononcer. Et alors, Le Jardin Paris d'ailleurs. J'ai mal prononcé, c'est Le Jardin Paris. Mais attendez, c'est peut-être pas fini la pub, nous dit Logan. Non mais les gens, ils ont la pub, mais ils rattrapent, non? Non, ils rattrapent pas. Ils ont une coupure, ils savent pas de quoi on a parlé. Mais c'est, tu rates vraiment des bails, en fait. Mais c'est horrible. Imagine, j'avais fait un flip et tout. Je sais pas, ce que c'est le seul truc exceptionnel. Le backflip de Louise n'a pas été vu. Vous savez pas? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bah tant pis, voilà. C'est pas grave. Voilà. Vas-y. Présente-nous ta BD. Ouais. Nous sommes face à une BD que Lo m'a conseillée il y a... car vous allez remarquer vite que Lo m'a conseillé 80% des BD que je vais présenter. Hein. C'est parce que j'en lis des caisses aussi. Oui, c'est vrai. Et après, nous, on les porte pour les déménagements. Malinx. Bon, lui aussi, en vrai. Surtout lui, en vrai. Oui, j'ai dit, vous n'êtes pas obligé, j'accepte. Le deal étant, oui, j'achète de plus en plus de BD et j'en achète toujours. Mais j'accepte de tout porter tout seul au déménagement car je comprends, c'est chiant, c'est lourd et c'est ma responsabilité. Ouais, mais après, qui porte mes DVD? Ouais, mais c'est vachement plus léger, oui, franchement, en deux cartons, on a fait le tour. Enfin bref, tout ça pour dire, Le Jardin Paris, ça parle d'un enfant qui s'appelle Rose, si je me trompe pas. Oui. Qui s'appelle Rose et qui grandit avec sa mère et les collègues de sa mère parce que sa mère tient... Un cabaret, on peut dire ça. Ouais. Un cabaret à Paris. Et en fait, Rose, c'est aussi quelqu'un qui va performer pendant, dans ce cabaret-là. Et du coup, il grandit entouré de femmes vraiment hyper... comment dire? C'est un cocon tellement c'est adorable, en fait. C'est vraiment hyper l'endroit safe où on aimerait tous et toutes avoir grandi. Mm. Et en fait, Rose, c'est aussi une personne qui... plutôt ne définit pas trop son genre ou en tout cas un style qui n'est pas du tout genré. Et en fait, voilà. Oui, faut préciser qu'en fait, dans ce cabaret, il n'y a que des femmes qui performent. Voilà. Et elles ont toutes un nom de fleur. Et Rose, lui, il est le fils de la gérante. Et à un moment, il décide de performer aussi. Voilà. Et en fait, à partir de là, il se dit que... bah, fait qu'à choisir un peu quand même. Oui. Et en fait, il va à des soirées. Parfois, il est habillé genré masculin. Parfois, il est habillé genré féminin. Parfois, qui s'en fout, hein, oui, voilà, globalement. Et il rencontre un homme avec qui il va développer une relation d'amour, mais hyper platonique et vraiment très jolie. Oui, ils sont trop doux tous les deux. Et en fait, voilà. En fait, on le voit globalement évoluer dans cet univers-là. Et aussi, en fait, il gagne en popularité. Il commence à devenir... vraiment la tête d'affiche du cabaret de sa mère et du coup ça fait que bah voilà ça devient une star et ce qu'on adore avec cette BD c'est que ça parle pas du côté vraiment genre on n'est pas sur une BD qui va parler de rejet ou de coming out ou de coming out douloureux ou des personnes qui meurent hein, excusez-moi je préfère dire c'est vraiment juste bah tout doux quoi enfin c'est une très belle BD très douce ouais je l'ai lu j'avais envie d'être dedans quoi enfin alors que bon moi dans un cabaret c'est pas trop ma vie tu vois mais je sais pas et puis le dessin Gaëlle Genier elle fait toujours un dessin hyper tendre je trouve je pense que c'est pas un mot qui marche pour définir du dessin mais je pense que tous les mots marchent pour définir du dessin mais vraiment des couleurs chaudes et des décors hyper enfin vraiment. Même la gestion dont elle, enfin la gestion de ses cases et tout ça, c'est vraiment assez grandiose parfois et ça fait que ben ouais, on est pris dedans quoi. Voilà. Personnellement, c'est une de mes préférées, de mes BD préférées et je la conseille à absolument tout le monde. C'est vrai. C'est très vrai. Je pensais effectivement. Tu pensais que j'allais choisir que tu allais choisir quoi? Heartstopper. Ouais. Enfin, tu pensais que je pensais que tu allais choisir quoi? Waouh. Ouais. Bah oui, bah parce que... Heartstopper, d'ailleurs, petit coucou à Solène, qui est, je crois, ici, et qui est la personne qui m'a offert Heartstopper.
alors que j'étais covidée et en dépression dans mon lit, je reçois un colis de Solène qui du coup me dit ça fait des années que je t'en parle, je crois qu'il est temps. Avec ça dedans. Avec le tome 1 de Heartstopper. Bon, en vrai, je pense vous avez un peu la ref de ce qu'est Heartstopper, sinon ben franchement cool parce que vous allez pouvoir le découvrir et c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est une très cool série à lire et à voir. Donc, car c'est sur Netflix. Mmh. Voilà. La saison 2 vient d'être finie. Le tournage vient de se finir, il me semble. Donc, ou alors vient de commencer. Je ne sais plus. Je sais pas. Bref, c'est en cours. Et en fait, la série de livres à la base, c'est une série de livres qui, en gros, c'est une histoire un peu longue. Si je me trompe pas, si je me trompe, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais il me semble qu'en fait, donc c'est écrit par Alice Oseman, qui a commencé par écrire plutôt des romans ou des novellas qui parlaient de Victoria, enfin Tori, une jeune fille qui est un peu solitaire et tout ça. Et dans ce livre-là, il y avait mention de son petit frère et du copain de son frère, donc Charlie et son copain Nick. Et en fait, je crois que les gens ont pas mal aimé ce personnage-là, et surtout, bah, Alice Oseman a eu envie de le développer. Et du coup, est né un novella qui s'appelle Nick and Charlie, que personnellement, je ne vous recommande pas particulièrement, car ce n'est pas représentatif d'à quel point Heartstopper, ça peut être bien. Et après, il y a eu la BD Heartstopper, qui était du coup publiée sur Tumblr et Webtoon, et en fait elle était dispo gratos sur tous les réseaux faits pour ça. Elle est peut-être, est-ce qu'elle est encore dispo gratos? Elle est absolument encore dispo gratos. Je crois qu'elle est sur Tapas. Et elle est toujours sur Webtoon américain, elle est toujours sur Tumblr, et il y a toujours des updates car c'est une série qui est encore en cours. Qui n'est pas terminée, ouais. Voilà, et qui est bientôt terminée, cependant il ne reste qu'un tome. Le cinquième. Oui, qu'on attend beaucoup. Oui. Là, on a le 1, c'est parce que c'est Manon qui a le 2, 3, 4. Manon, oui. Rapporte-les. Oui, merci. Donc, ça suffit, là. Hein, tu viens ce soir, demain, jeudi soir à la maison, tu ramènes les livres. Ok. C'est important. Et le cinquième sort bientôt. Et du coup, de quoi ça parle? De quoi ça parle, Heartstopper, le cœur qui cesse de battre, de quoi ça parle donc? Oui, tu vois, écoute Logan, Manon, rendez les BD. Rends les BD qu'on les prête à d'audients. Genre Logan, par exemple. C'est vrai, peut-être. Logan, il les veut peut-être. Qui a regardé la série et qui l'a apprécié, je m'en rappelle. Heartstopper, deux garçons, une rencontre, comme le dit si bien la couverture. Tintin. Oh là là, mais suspense. Donc nous suivons Charlie, ce petit gadjo là, qui est alors ça se passe en Angleterre, donc il est en je sais plus year 10, donc je crois qu'il est en 3e a priori. Et en fait là-bas ben genre collège lycée c'est mêlé quoi, bref. Et du coup Charlie c'est un petit gamin de 3e qui est un peu solitaire, un peu gêné, enfin c'est un peu compliqué pour lui d'être bien à l'école. Parce que l'année dernière, on a fait son coming out à sa place. Du coup, tout le monde sait qu'il est gay et plutôt les gens ont été un peu relous, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais depuis, ça va mieux, il revient pour la rentrée, ça se passe pas trop mal. Et un jour, il rentre dans une classe qu'il partage. Enfin, c'est une classe où je sais pas pourquoi, me demandez pas, je connais pas trop bien le système anglais. Les niveaux de classe sont mélangés et il rencontre Nick qui est un seconde et qui est un rugby lad, c'est-à-dire un sportif plutôt populaire. Parce que là-bas, c'est le rugby. Écoutez. Il fait du rugby et il est immense. Il est très grand et il est un peu costaud. Et Charlie, à côté, il est tout mince et un peu plus petit. Et en fait, bah, du coup, c'est un peu le coup de foudre pour Charlie qui tout de suite l'aime beaucoup. Sauf qu'en fait, Nick, c'est vraiment quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un d'adorable. Franchement, il n'y a pas à être des petits chats pareils. Logan a dit « garçon muscle ». On n'en peut plus. Ils sont trop mignons. C'est regardez-les. Adorable, mais également, vraiment... mention spéciale pour Nelly le chien, qui est vraiment trop cute. C'est j'aimerais trop vous bien. Trouver une petite photo. Évidemment, je ne la trouverai pas. Voilà, regardez-la. Mais regardez-moi Nelly. Cette beauté. En plus, alors, si vous avez vu la série, probablement vous avez aimé, sinon peut-être on n'est plus amis. Et ben en fait, la bande dessinée est quand même vachement plus doudou. C'est-à-dire que la série a aussi mis l'emphase sur des trucs un peu plus drama.
Ouais. Mais dans la série, alors c'est aussi une série qui parle de sujets compliqués, trigger warning, harcèlement scolaire, harcèlement moral, trigger warning dépression, trigger warning TCA. Mais ça en parle... Envie suicidaire. Envie suicidaire, ouais. Mais ça en parle extrêmement bien, c'est très doux, c'est très touchant. Et ouais, ça parle d'un amour qui naît entre deux garçons vraiment trop cute. Un qui est ouvertement gay et l'autre qui se rend compte qu'il est un peu en train de tomber amoureux de son meilleur pote, du coup, parce qu'ils deviennent très amis avec Charlie jusqu'à ce que l'amour naisse. Et du coup, on les suit en train de tomber love et on suit également, et ça, c'est important de le dire, leur bande de potes. Qui sont trop mignons, c'est insupportable, c'est tellement trop c'est mignon. Bien. Non, c'est pas vrai, continuez. Il y a elle, alors attends, il me semble que dans la version originale elle s'appelle Ella. Il y a Tao, il y a Darcy et Tara qui sont un couple de meufs trop mimes. Elles font de l'orchestre ensemble. Et elle, c'est une élève, une femme trans, qui du coup devient hyper copine avec Tara et Darcy et tout ça. Et en fait, tout ça, ça forme un petit groupe de gens trop mimi, trop doux, que on est presque deg parce qu'on aurait voulu être eux ou être amis avec elle au lycée. Mmh. Et voilà. Ouais, c'est vraiment une très très bonne série que je recommande, surtout si vous avez besoin de conseils et lectures pour des... plus jeunes. Des kiddos, et ben... Ouais. Franchement, offrez-leur Heartstopper, faites-leur lire Heartstopper, c'est génial, ouais. Ça se lit tout seul. Ça se dévore, en fait. Enfin... Et puis c'est justement, c'est aussi écrit à destination d'un public qui est plus jeune que nous. Mm. Et ça porte des messages aussi très importants de... Mon petit ami va pas bien, je sais pas quoi faire, j'aimerais l'aider. Oui, mais tu es un enfant de 16 ans, tu ne peux pas. Tu peux être là pour le soutenir, mais ce n'est pas à toi de le... Tu ne peux pas le soigner, tu ne peux pas le sauver. Il faut des professionnels, il faut des gens de l'extérieur. Ce n'est pas ta responsabilité, en tant qu'être humain, de sauver les autres. Et c'est des messages qui sont, je trouve, toujours dits avec... douceur, avec amitié, avec amour, avec pédagogie. Et je pense, honnêtement, moi j'aurais adoré lire ça quand j'étais collège ou au lycée. Enfin, ça change vraiment. Je pense que ça aurait changé une perception que j'ai des relations et qui sont un peu fucked up à cause de des mises en scène et des attentes de la société et qui devraient pas l'être. Et ça déconstruit ça vraiment très très bien, tout en douceur. Ouais, et ça te réconforte. Ça te donne une version où les adultes ils sont vraiment utiles et une ressource. Et ça, c'est bien. Et surtout, Alice Osman, elle a. Yala d'ailleurs, parce que c'est une personne non binaire. Yala a mis beaucoup l'accent sur la queer joy. C'est vraiment le principe. C'est que. Alors, effectivement, il y a des sujets difficiles. Mais en vrai, en fait, dès le début, Alice a dit. Ça va bien finir. Vous en faites pas. Il y a des difficultés parce qu'on est des êtres humains et qu'on peut pas juste vibrer, quoi. Mais par contre, ça va aller. Tout va aller parce qu'en fait, on a besoin d'histoires où tout va bien. Et c'est un peu comme le Jardin Paris. C'est vraiment la petite bulle réconfortante qui n'est pas tant une bulle, mais qu'on nous fait croire qu'elle est rare. Et en fait, quand on est entre gens trop mimi, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment... pour moi... recommandation numéro 1 si vous avez des plus jeunes que vous avez envie de leur faire lire des histoires douces et des histoires qui sont en plus comme tu le dis très joyeuses et très réconfortantes, ça fait un bien fou à lire et ça fait un bien fou à découvrir. Ouais, donc je vous conseille allez-y, foncez, voilà, let's go. Il y a 4 tomes en France, il y a des romans qui sont mais... Alors il y en a un qui est bien, que je conseille, c'est Radio Silence, également prêté par Solène vraiment sponsor de Alice Osman, merci de faire un virement, qui m'a fait découvrir Radio Silence et qui celui-là pour le coup je trouve vaut le coup. Le reste, enfin, j'ai pas tout lu, mais vraiment, la BD, c'est vraiment plus son truc. Voilà. Ouais. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est complètement dispo gratuitement. Donc, let's go. Pas besoin de l'acheter. Vous avez juste à aller sur Tumblr. Vous pouvez comme à l'ancien temps sur Internet. Comme quoi, c'est incroyable, Internet. Non, mais vraiment, une très belle invention.
Je sais pas si Vénus veut venir ici ou pas. Peut-être on aura... Peut-être que Vénus va arriver. Accrochez-vous. Le deuxième Bebs de notre collection de Bebs. Oh là là, je sais pas ce qu'elle fait. J'ai peur qu'elle boive dans la théière. Oh là là. Moi, je voulais vous parler de... Elle est derrière mon ordinateur. Vénus et là, est arrivée. Là, c'est... Allez. Là, je sens que... Let's go. Est-ce qu'on verrait pas une petite patoune? Allez. Purée Vénus. Salut. Bon, Vénus a allumé la lumière de la caméra pour le moment. Allez. Oui, des fils auxquels se frotter. Oh là 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 là. Je n'aide pas du tout car je lui fais actuellement des papouilles. C'est pas grave. Ça. En fait, tant que, comme la dernière fois, elle n'éteint pas mon ordinateur pendant le live. C'est vrai. Car elle l'a déjà fait. Moi, je voulais vous parler d'une autre BD incroyable qui d'ailleurs est dans la sélection du prix Jeunesse Angoulême. C'est mon total coup de cœur. C'est Voleuse de Lucie Brion. De Lucie. Vénus, il faut que tu décales un petit peu, s'il te plaît, pour la BD. À côté du fiac de Vénus. Merci. Voilà. Voleuse, ça... Alors, j'en ai probablement déjà parlé. Ça parle de quoi? Ça parle de deux lycéennes. Madeleine et Ella. Et... Ella est déjà plutôt love de Madeleine... Elle attend le jeudi matin avec beaucoup d'impatience parce que c'est ses cours. C'est ses cours de. Je sais plus quel cours elle a, mais elle a cours et il y a Madeleine qui est assise devant et elle est genre. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie! Et Vénus. Bon. Actuellement en train de me faire engueuler hors caméra. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Mon petit, j'ai vraiment appelé mon petit comme si j'étais son. J'ai l'impression d'être ton grand-père, mon pote. C'est une excellente bande dessinée, ça parle d'amitié, ça parle d'amour. Je suis hyper fan parce que ça fait longtemps que je suis Luchy sur les internets et ça fait longtemps que je suivais les micro-aventures. Des fois, il y avait des strips, des fois, il y avait juste des illus de ces deux personnages. Et il y a quelques temps, je pense un an et demi ou deux ans, elle avait annoncé que... son roman graphique qui allait sortir était sur ces deux personnages. Vénus, la caméra. Non. Et j'attendais ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience, car je suis une personne très intense. Et vraiment, je n'ai absolument, absolument, absolument pas été déçue, pas une seconde. Alors, déjà... Cute, giga cute. La mise en scène... est incroyable. On est sur vraiment du roman graphique contemporain. Non, Vénus, pas les plantes, pas les plantes. Oui, bah oui, mais non. Ah oui, alors, attendez, parce que Vénus n'a pas le droit de manger les plantes. Et Vénus adore manger les plantes. Non, non, trésor. Pas le poteau. Pas le poteau, et pas lui non. Non, non, lâche-la. Oui, je sais que t'es fâchée, et bon... Voilà, voilà. Moi aussi, je suis fâchée, petit lapin. C'est l'étape 1 de l'étape 2 qu'on a eu tout à l'heure, qui est le vomi. Oui. Allez, bisous, mon lapin. Donc, il y a un jeu sur les couleurs, c'est-à-dire que tout au long de l'œuvre, comme dans Soon, comme dans In Waves, et je trouve aussi, comme souvent dans la BD de Tilly Walden, il y a une couleur qui sert d'influence et qui va porter des passages de la narration. Le travail sur la couleur est génial. On est vraiment sur du roman graphique contemporain, sur une mise en page très fluide, très facile à lire, très instinctive, je trouve. C'est trop beau. Je trouve que le dessin est magnifique. J'aime trop. Bref, je suis incroyablement fan de cette bande dessinée. Ella va sortir avec Madeleine et va découvrir que Madeleine chourde des trucs chez des gens en soirée. Voilà. Et bon, il se passe plein de choses. Il y a plein de péripéties. Je vous laisse découvrir parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est pareil, c'est une bande dessinée qui est très douce, qui donne envie,
qui donne envie d'être amoureux, qui donne envie de dire ses sentiments, qui donne envie de, d'être hyper intense, qui donne envie d'aller faire la fête avec ses copains. Je la trouve très touchante dans la façon de décrire les émotions des personnages, de décrire la complicité aussi entre les gens. Et la narration est hyper bien maîtrisée. Bref, c'est un 10 sur 10. C'est un 11 sur 10. J'espère qu'elle va gagner le prix jeunesse à Angoulême, sachant qu'il y a de la compétition, puisqu'il y a aussi Anna et l'Entremonde de Dubuisson et Cie. Ah oui. Qui est un gros succès. Qui est un gros succès quand même. Et il y avait un autre truc où je me suis dit, ah là là, ça va être tendu. J'ai oublié ce que c'était dans la sélection jeunesse d'Angoulême. Mais moi, vraiment, je croise les doigts à fond, parce que elle a déjà gagné des prix, elle mérite tous les prix du monde. Voilà. Bravo à elle. Ah ouais, c'est trop bien. Elle est trop belle, en plus, j'aime tellement. Je vais faire un bisou parce que j'aime les au lait. Voilà. C'est un bébé, oui. Également. Oh là 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 là. Oh. Dis qu'est-ce donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous conseiller ? Eh bien, un petit classique. Qu'avons-nous là ? Nous avons ce. Ah bah oui ! Nous avons La fille dans l'écran. Mais qu'est-ce que La fille dans l'écran ? Me direz-vous, Louloubi et Manon Devaux, pour une bande dessinée sur deux personnages, écrite et dessinée à quatre mains, donc avec deux personnes qui ont deux styles narratifs différents. Ce qui fait qu'en plus d'être une excellente histoire, c'est deux univers qui se rencontrent, quoi. Un très cool projet. Vénus, mais qu'est-ce que tu... Oh non. Non, mais non, mais... Si vous saviez ce qui se passe hors champ... Bah vous l'entendez, hein, peut-être. Arrête, mon pote, arrête. Y'a pas... Oh là là. J'aurais de patate. Elle est en train de vouloir casser la maison. Vénus bulldozer. Elle a littéralement escaladé l'arbre à chat parce qu'elle voulait arriver sur une toute petite étagère sur laquelle il y a des plantes parce qu'elle voulait manger encore des plantes. Mais tu viens de vomir, Vénus. Ou alors elle a besoin de se purger et il faut qu'on lui donne une autre plante araignée. Ce sera à discuter. Ce sera à réfléchir. Sacrifions-nous une troisième plante araignée pour Vénus ou pas. Rip. Les plantes araignées. Mais alors, La fille dans l'écran. Pardon, j'étais perdue sur l'éducation des enfants. Donc, effectivement, c'est un projet qui est génial et un peu pour vous le montrer, c'est que on va suivre deux personnages qui habitent en France dans un trou paumé. J'ai oublié où. Et à Montréal, au Québec. Et donc, chaque personnage est dessiné par une illustratrice, une BDiste. Et donc, elles ont chacune une page. La page de gauche et la page de droite. À la fin, il y a une super explication. Ouais, du processus. Sur comment est-ce qu'on fait une BD à quatre mains. Comment est-ce qu'on s'organise, sachant que les systèmes de dessin ne sont pas les mêmes. Et les systèmes narratifs ne sont pas les mêmes. C'est super... C'est une super façon de construire une histoire, je trouve. Ça fonctionne très très bien. Et si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez bien l'esprit un peu fanfic à deux points de vue, c'est un peu ça, je trouve. Ouais. Moi, il y a un truc de genre, tu vois vraiment la naissance des sentiments amoureux. Entre ces deux meufs qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. L'une est photographe, l'autre écrit un truc sur... Un livre pour enfants, elle est illustratrice et autrice pour... Enfin, c'est son projet et elle a besoin d'inspiration. Et elle tombe sur les photos de la photographe qui travaille comme barista dans un café. Qui est assez introvertie, qui a pas beaucoup de vie sociale, il me semble, alors que... L'illustratrice, elle vit avec son mec. Non, c'est l'inverse. Non, la photo... Attends. La photographe, c'est pas elle ? Ben non, justement. La photo... Je l'ai lu il y a 3 ans. Donc, la photographe, c'est Marley. Elle travaille... Elle habite à Montréal. Ah, mais oui. Elle habite avec son copain. Elle travaille... Elle était photographe il y a un bout de temps, mais elle a un peu laissé tomber la photographie parce que, c'est difficile de s'en sortir. Elle travaille dans un petit bar, dans un café. Et l'autre,
Camille, j'ai envie de dire, mais je crois que c'est pas ça. Je suis mauvais en prénom. Hein. Colline, c'est pareil, ça commence par la même lettre, franchement. J'étais à ça. Colline, elle est illustratrice, mais donc elle a arrêté ses études pour faire des études d'art. Ça s'est très mal passé avec ses parents, donc elle habite chez ses grands-parents, qui habitent au fin fond de la campagne. Et elle a un petit... elle a installé un petit studio de travail dans la dépendance de ses grands-parents. Elle n'a pas beaucoup de vie sociale, elle est très angoissée par les interactions sociales. Vénus, je te vois vouloir faire des bêtises, mon pote. Et en fait, elle commence par avoir une relation épistolaire via Internet, puisque Colline, cherchant des références pour ses illustrations, est tombée sur les photos de Marley. Donc elle commence par s'envoyer des mails, et puis finalement, elle se file leur numéro, et puis elle commence à avoir une giga relation épistolaire. Et bon, elle commence à tomber love. Et pas qu'un peu, si je peux me permettre. Pas qu'un peu, les copains. Pas qu'un peu. Ouais. C'est trop bien, c'est très très beau. Ouais, je l'avais vraiment, je l'avais lu hyper vite, quoi. Je voulais vraiment savoir comment ça allait continuer et tout. Oui. Et puis le format m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Oui. Et voilà, franchement, pareil, ça c'est à donner à des ados. Franchement, c'est chill, quoi. C'est vraiment hyper simple à lire et attractif, en fait, je oui, trouve, dans la façon d'être présenté. Donc voilà, une petite recommandation. Vraiment, on est là pour vous faire votre... En fait, on est là pour vous faire dépenser vos sous, c'est bon ? Vos cadeaux de Noël, là. Sinon, vous pouvez aller en bibliothèque, tout ça est disponible. C'est vrai. Ensuite, on présente quoi ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'avons-nous là ? Hop. De quoi t'as envie de parler, en fait, c'est surtout ça. Bah, en fait, j'en ai pas lu des tonnes non plus, donc je vais dire celle que j'ai lue. Et bah, c'est parti. À savoir... Ah ouais. Alors ça, c'est autre chose, par contre. Hein. Là, on est sur du teen drama, du très bon teen drama. Moi, j'adore. C'est mes ruptures avec Laura Dern, que à chaque fois, je lis Laura Dern, et on sait pourquoi. Car on adore Laura Dern. Parce qu'on a rompu plusieurs fois avec Laura Dern. Voilà, exactement. Et c'était vraiment toujours très difficile. Ouais. Je vais pas vous mentir. Mes ruptures avec Laura Dern, ça parle... Alors, comment même s'appelle le personnage principal, ça fait également longtemps que je ne l'ai pas lu. Je mords pas. Mais enfin, il y a Vénus qui fait des agressions à côté, là. Mais oui, mais elle veut manger des plantes. C'est Mariko Tamaki au scénario. Aïe. Let's go. Pardon, c'est Mariko Tamaki au scénario, donc, qui a scénarisé pas mal de BD, Last Summer, je crois que c'est Last Summer que ça s'appelle, et qui est aussi scénariste de comics, et au dessin, c'est Rosemary Valero O'Connell, qu'on retrouve dans un autre recueil, Tout ce qui reste de nous, qui est un recueil de trois nouvelles en BD. C'est absolument sublime. Moi, j'ai adoré. Voilà. Et donc, ça parle de... Apparemment, si j'ai bien relu, d'une jeune fille qui s'appelle Freddy, qui ah, est oui, au c'est ça, lycée. Ouais. Ouais, tout à fait. Et qui, en fait, est en galère. Parce qu'elle est en relation... plutôt toxique, on peut se le dire. Giga toxique. Avec une certaine Laura Dern. Qui a un an de plus qu'elle. Qui est vraiment... qui n'a pas de respect pour elle et qui lui fait toujours le chaud-froid et qui la laisse attendre et qui, en fait... Enfin, vraiment, on est sur la classico relation plutôt merdique, abusive entre deux jeunes filles. Ouais. Et du coup, il me semble qu'elle demande de l'aide sur Internet, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Elle sait pas... si, c'est ça. Elle suit une émission de cœur brisé ou de trucs comme ça, de témoignages. Et donc, elle envoie son témoignage. Et en fait, on suit au fur et à mesure de l'avancée de la bande dessinée où on apprend un petit peu plus sur Freddy et sur sa relation avec Laura. On apprend le contenu du message qu'elle a envoyé et la réponse qu'elle a reçue. Ce qui fait qu'en fait, on sait pas vraiment... au sein de la diégèse, à quel moment, si elle a envoyé cette lettre au tout début ou si elle a envoyé cette lettre à la toute fin. Et donc, oui, c'est vraiment une relation claquée au sol. Laura Dern la quitte un certain nombre de fois et puis c'est un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble. Mais bien sûr que si on est ensemble, mais en fait pas devant mes potes. Et donc Freddy est complètement coincé là-dedans, elle a beaucoup de mal à trouver une solution.
Il y a des fois où elle passe plus de temps avec ses potes, il y a des fois où en fait, ben, Laura Dean l'accapare à fond, du coup, elle délaisse un peu ses amis et elle s'en veut, mais en même temps, elle sait pas quoi faire parce qu'elle est super amoureuse. Et qu'elle se sent spéciale quand elle est avec Laura Dean. Du coup, c'est vrai que moi, j'aimais bien que ça parle de ça, parce que bah là, on est sur un sujet qui n'est pas forcément très abordé, je trouve, dans les relations entre meufs. Non, j'sais pas. C'est vrai. C'est un truc, bah, par exemple, pour les hétéros, il y a pas mal de trucs, il y a Tant pis pour l'amour et tout ça, qui parlent vraiment des relations toxiques. Là, c'est pas pour vous expliquer ce qu'est une relation toxique, par contre, je trouve que ça montre hyper bien les mécanismes. Mm. Et du fait que ça peut arriver à tous les âges et dans toutes les configurations possibles de couple et tout ça. Et je sais pas, moi j'avais trouvé ça hyper bien fait quoi, hyper bah, bien scénarisé. Et toutes les étapes un peu compliquées étaient mises en valeur. Mm. De l'abandon des amis qui ont de la rancune et en même temps qui sont juste tristes pour toi et qui savent plus trop quoi faire. C'est... Je trouve que c'est aussi doux dans la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que... Il y a des étapes qui sont violentes. C'est violent pour Freddy, c'est violent pour tout le monde. Mais c'est toujours... bien amené. La composition... Ben... Alors moi, c'est aussi ma passion pour le roman graphique contemporain. Vénus, je te vois vouloir aller vers la bibliothèque parce que je me suis décalée. Oui, bah oui, je sais, t'es fâchée. Attends, je tiens. J'aime beaucoup les compositions de Valérie Rosemaro... Non. Attends, oui. Rosemary Valero O'Connell. À chaque fois, je switch des noms. Parce que on va prendre ce qu'on peut de la BD contemporaine, on va prendre ce qu'on peut du webtoon, on va prendre ce qu'on peut du webcomic, on va prendre ce qu'on peut de toutes les façons de faire. Ce qui fait qu'on a des planches qui sont, je trouve... bah, encore une fois, on est comme voleuse sur la même génération d'artistes et sur une façon de faire, je trouve, enfin de créer une œuvre assez similaire, d'avoir des mécaniques de narration qui sont de varier au maximum la taille des cases, de... C'est pas gênant de laisser un immense espace noir, comme ça, des choses qui étaient plutôt impensables dans la bande dessinée plus classique et dans la bande dessinée franco-belge, parce que ça permet de s'attarder sur les sentiments des personnages, ça permet de faire tenir, de montrer un suspense, une décision qui est parfois insoutenable. Vénus est d'accord. Et je trouve que ben là, c'est pareil, il y a aussi une gestion de la couleur qui est très très belle. Et il y avait un truc qui m'avait beaucoup plu aussi, c'était, dans mes souvenirs, les motifs floraux. Je crois qu'il y a, beaucoup de plantes et ça m'avait bien plu. Ou alors c'est dans Tout ce qui reste de nous, je ne sais plus, mais... c'était un truc où je m'étais dit c'était que j'avais trouvé ça très très beau et très en fait ça sublime des compositions graphiques. Et j'avais trouvé ça très chouette. Donc ouais, à recommander. Ça par exemple si je l'avais lu quand j'étais au lycée. Enfin, je suis sortie avec une Laura Dean au lycée et du coup je pense que ça m'aurait un peu, ça aurait mis le doigt sur des choses. Et ouais, c'est je trouve, un beau témoignage. Ça sonne un peu comme un témoignage de, ben, j'ai eu une relation toxique et c'était vraiment très très dur, mais also, j'ai appris des choses sur moi et maintenant, je vais faire attention et je vais aller mieux moi. Et je trouve ça très beau. Qu'avons-nous ? Ouais, bah ouais, bien sûr. Hop. Oh, j'ai mal rangé, tant pis, j'en ferai. En vrai, j'en ai plein, j'en ai tellement. Bah là, on passe sur Monument. Hein. The Queen. Oh, voilà. The Queen of the Ride. Bisous, non pas bisous. Ouh, j'ai failli me prendre un coup de patte. Myrion Mal, est-ce qu'on la présente? Oui. Oui.
On est poli. Je te laisse le faire. Mireille Aumale, c'est une dessinatrice, scénariste, illustratrice française qui vit au Québec. Elle s'est fait connaître en particulier par son blog Commando Culotte, qui a été ensuite édité dans la collection du label 619 de chez Ankama. Ça s'appelle, donc le sous-titre c'est Les dessous du genre et de la pop culture. C'est d'ailleurs toujours sur son blog est toujours actif. Parler de séries, de films, en analysant le genre, les rapports au genre, les rapports aux minorités dans les œuvres. Donc ça a été édité, c'était sur Vénus, on a dit non. C'est pour vous faire des petites pauses, vous pouvez boire un coup. Oh là là. Je pense à vous. Ça parle de plein de choses, ça parle de l'égalité blonde, ça parle... Finger. Oh, il y a un très très bon... Ah, je l'ai beaucoup relu. J'ai des... Ça parle de Easy A, ça parle de Barbie, ça parle de... Des rapports au genre et à la race. Il y a deux notes qui ont été faites avec Tarmaz sur Game of Thrones et le rapport au viol dans Game of Thrones. Bref, ça a permis à Mireille Aumale de se faire connaître d'un peu plus grand public. Si vous avez envie du commando culotte... Ah, pardon. C'est vrai, faut pas que je crie dans le micro. Si vous avez envie d'offrir commando culotte, mais que vous avez peur que le public que vous cibliez est trop petit, il y a aussi la Ligue des super féministes. C'est pour les plus jeunes, c'est génial, ça explique tout. Ça explique c'est quoi la représentation, ça explique ça veut dire quoi avoir des personnages queer dans des histoires, comment est-ce qu'on écrit des personnages queer dans des histoires, comment est-ce qu'on écrit des personnages racisés. Bref, c'est très bien. Et Mireille Aumale a aussi fait de la fiction. Avec deux BD, la première était C'est comme ça que je disparais, qui est sortie en 2018, quelque chose comme ça, non 2010... Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue, je sais plus, j'aurais dit ça aussi. Vénus, tu prends toute la place, mon petit cœur. 2020, chez La Ville Brûle. Oh, écoutez, on ne rajeunit pas. C'est vrai que ça ne nous rajeunit pas. Du coup, C'est comme ça que je disparais, qui parle globalement d'une personne qui est en dépression, hein, globalement, oui. C'est ça. Et où ses amis sont un peu... ils ne savent pas quoi faire, quoi. Ils n'arrivent pas à la sortir de là et tout ça. Et en fait, elle n'arrive pas très bien à expliquer ce qu'elle ressent non plus, ce qui lui arrive. Et en fait, elle parle en gros des conséquences du trauma, en fait, et du fait que... La dépression, c'est pas juste être triste, c'est l'impression de plus trop exister, quoi. Et du coup, c'est déprimant. Mais c'est très touchant, par contre. Moi, j'avais trouvé que c'était hyper parlant. Ouais. Et aussi, eh bien, écoutez, nous sommes sur un trait... si vous connaissez Mireille Aumale, c'est vraiment le trait habituel du noir et blanc. Et je ne sais pas comment décrire, mais c'est vraiment... Enfin, on la reconnaît tout de suite, quoi. Elle a vraiment sa patte et tout ça. Et elle fait beaucoup de refs à de la pop culture, c'est son gros truc. C'est pas impossible de trouver des paroles de Shrek ou ce genre de bides dans ses œuvres. Et ouais, elle parle hyper bien des relations entre ses différents personnages, on s'attache hyper vite, et c'est plutôt cool. Et alors je sais pas si ce personnage-là c'est une personne queer, j'ai un doute... Parce qu'on vous parle de ça dans le queer, mais en fait, c'est surtout parce que Mireille Aumale est concernée aussi. Elle sort d'une grosse relation, et c'est la rupture qui est très compliquée. Il y a de la dépression, mais il y a aussi de la réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation. Et plutôt, cette relation, finalement, avec du recul, je me rends compte que ça n'allait pas, et il y a un potentiel PTSD de la relation. La gestion du trauma, ouais. C'est ça. Donc, c'est très touchant. Oui. Et en fait, du coup, moi je l'avais lu en me disant, c'est top quoi, c'est incroyable. Et après, elle a sorti Adieu Triste Amour, et perso, je le préfère. Même si j'adore les deux, mais Adieu Triste Amour, il m'a vraiment, vraiment trop parlé quoi. Oui. Je trouve.
Bah, Adieu Triste Amour, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a eu une relation toxique avec, avec son ex. Et ça parle de bah, comment gérer la suite de cette rupture avec quelqu'un qui est plutôt connu et que les gens ne veulent pas virer alors que c'est qu'il y a des témoignages, que c'est un agresseur. Ça parle de sororité, ça parle de la sortie de l'hétérosexualité. Bah, c'est vrai qu'en termes de sororité, ça parle d'un truc hyper spécifique de « Ah, en fait, tu sors avec un mec et le mec est call-out par une meuf. Mmh. » Et du coup, toi, tu connais pas la meuf, mais comment tu réagis par rapport à ça? Parce que ton mec, ça se passe bien, il t'aime et tout ça, tu l'aimes. Mais en fait, si c'est dit, c'est pas pour rien. Ouais. Et en fait, le personnage a une réaction hyper intéressante à ça. Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, parce que c'est... Enfin, on est tous humains. La première réaction, c'est souvent de dire « Mais non, mais c'est pas possible !» et de dire que c'est l'autre qui se trompe. Et en fait... Ben, la personnage, elle s'arrête pas là, et elle se renseigne, elle va voir la meuf, et en fait, c'est là où il y a la sororité vraiment qui se met en place. Et c'est assez cool, et enfin, bon, c'est cliché de dire ça, mais c'est un peu important actuellement d'avoir des récits comme ça qui montrent des meufs qui s'entraident face à l'oppression aussi et aux agresseurs. Et bah, c'est aussi un phénomène qui se passe actuellement, et ça parle aussi de la triste réalité qui est qu'en fait, ben, oui, c'est dit, mais c'est pas écouté. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une notion très forte de solitude et d'abandon. Et en fait, les meufs, elles sont d'accord. Et les meufs, elles témoignent. Et en fait, elles se croient et elles se font confiance. C'est juste que le système étant dirigé par des mecs, les mecs, ils vont pas cancel d'autres mecs. Ça a pas l'impact qu'on veut, quoi. Et, Oui, voilà. Et Myriam Mel, c'est une personne qui est hyper engagée sur ce sujet-là, elle en parle vraiment, vraiment beaucoup. Et au-delà de ses BD, je vous conseille vraiment de suivre son Insta, parce qu'elle continue à faire des strips un peu poétiques, où il n'y a pas trop de sens, vraiment, ou d'histoire, mais c'est toujours hyper... Moi, je sais pas, ça m'émeut à chaque fois, et aussi elle fait des Inktober toujours incroyables, qui sont souvent basés sur des chansons ou des citations de pop culture, et elle en fait un dessin qui est... Enfin voilà, qui est toujours hyper originale et tout ça, et puis en plus elle est hyper drôle sur les réseaux sociaux, donc voilà, perso. Oui, c'est une personne qui est très très engagée pour justement une meilleure représentation des personnes queer, et si c'est comme ça que je disparais, laisse un goût très amer et très triste d'émotion. C'est pas le cas d'Adieu Triste Amour, qui est très émouvant et très doux, et qui... parle beaucoup justement de s'en sortir et d'aller mieux et de se retrouver entouré et bien entouré et de la chaleur du foyer et d'être avec des gens qui nous comprennent et qui nous écoutent. L'important de la communauté. L'important de la communauté, ouais. C'est une très très belle œuvre. Puis c'est beau quoi, en fait. C'est sublime. Parce que là on est sur de la couleur en plus. Et... très bien. Et là, encore une fois, c'est vraiment des œuvres qui vont parler, qui vont parler d'émotions, et tout va encourager ce passage d'émotions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le texte, il n'y a pas que le dessin, il n'y a pas que la couleur. C'est aussi ça qui est très que moi aussi j'aime beaucoup dans les strips, dans les BD de Myriam Mal. Même dans ces fanzines, ah je les ai pas descendus, j'ai aussi des fanzines qui sont toujours des histoires, c'est une espèce de poétique de la souffrance qui n'est pas horriblement larmoyante, qui n'est pas la souffrance poussée à son paroxysme, mais qui est juste la souffrance du quotidien et la souffrance de tous les jours. Et ben... justement, c'est d'autant plus touchant que ça parle des petites choses. Voilà. Je suis bien d'accord. Lisez Myriam Mal, c'est incroyable. C'est vraiment très bien. C'est hyper poétique et hyper doux. Ouais. Toujours en abordant des sujets extrêmement traumatiques. Guest star du Gilou. Gilles s'est levé, s'est étiré et s'est rendormi. Voilà, parce qu'ici, on adore faire du sport régulièrement. Voilà, c'est ça qui est important. On s'entretient. Alors, qu'allons-nous présenter ensuite?
De quoi t'as envie, toi? De quoi j'ai envie? Ben, écoute, en termes de BD queer et tout ça, je n'ai pas trop les autres refs, je crois. Après, il y a les autoristes concernés aussi qui peuvent être présentés. Mais toi, si tu as des petites idées, ben moi, j'aurais bien parlé un petit peu de Tilly Wilden quand même. On n'a même pas parlé de... Bah oui, quand même. Ah là là, on n'a pas parlé. En fait, d'abord, il faut quand même qu'on parle parce qu'en fait, des classiques. En fait, c'est le premier que j'ai lu. Hein. Enfin, j'avais complètement oublié. Moi aussi, j'avais oublié. Mais moi aussi, en fait, c'est le premier que j'ai lu. Et oui, et vous l'avez reconnu. Le bleu est une couleur chaude. De Jules Marot. Voilà, que c'est une vieille édition, donc voilà. Mais, avec le bandeau horrible là qu'il va falloir. Mais je crois qu'on peut pas l'enlever. On va le taguer, on va le repeindre. On peut pas l'enlever, c'est un bandeau enfer. Horrible. Ah, mais attends, non, c'est. Ah, mais tout va bien. C'est les jaquettes de chez Glénat, tout va bien, tout va bien. On peut dégager les photos du film maudit là. Qu'on ne nommera même là. Pas. C'est parti. Vénus, tu peux le manger. Ouais. Du coup, alors, mais je l'ai lu il y a 7 ans, je pense. Moi aussi, je l'ai lu il y a hyper longtemps. Mais du coup, ça parle d'une personne qui s'appelle Clémentine, je crois. Ça parle d'une relation amoureuse. Voilà, qui en fait, entre deux personnes, enfin deux meufs, qui sont pas vraiment du même monde. Sont pas vraiment. Enfin, elles se rencontrent et c'est un peu un hasard. Mmh. Et en fait. Ouais, elles se croisent devant le lycée. Ouais, c'est ça. Ou en manif, non, non, c'est peut-être dans le film, parce que malheureusement... Oui, c'est devant le lycée, dans les souvenirs. Voilà. Et en fait, il me semble qu'elle s'appelle Emma, celle aux cheveux bleus. Et qu'en fait, du coup, on va l'appeler Clémentine. Oh, écoute. Écoutez. Voilà, Clémentine, allez, c'est bon. Du coup, Clémentine, elle tombe love direct, en fait, en voyant Emma. Et elles se rapprochent et elles finissent par se mettre ensemble et elles découvrent, Clémentine découvre la sexualité via Emma, qui est très montrée, c'est pas pour rien que le film a été aussi, mais voilà, qui est vraiment avec des scènes vraiment super belles en plus, très très bien. Et le problème c'est que Clémentine elle est pas out auprès de ses parents, ce qui est un problème, apparemment. Ouais, pour elle, elle a très très peur de ça, elle a très peur de la réaction de ses parents. Et de ses amis, parce qu'il y a beaucoup d'homophobie dans son lycée, tout ça. Enfin bref, elle n'est pas prête à le dire. C'est aussi. Excuse-moi, featuring ma bouillotte, car il fait froid ici. C'est aussi une bande dessinée qui est sortie il y a vraiment longtemps. Très longtemps. Et à l'époque. C'était un peu révolutionnaire. C'était aussi a thing, enfin. Enfin, je sais pas, 2010, ouais, c'est ça, la première édition. Elle a 12 ans, quoi. Enfin... Et 2010, bah, c'est ça. Moi, j'étais au lycée dans ces années-là. Moi aussi, j'avais peur de faire mon coming out. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus représenté, et du coup, beaucoup mieux représenté. Ce qui fait que c'est plus simple. Enfin, c'est jamais simple de faire un coming out. Mais il y a des outils qui sont mis en place, de la représentation un peu partout, il y a une... Et puis c'est pas toujours compliqué, en fait. C'est toujours compliqué, mais à l'époque, vraiment, bah, moi je pense 2010, c'est l'année où j'ai fait mon coming out, c'est terrifiant. Enfin, en vrai, oui, c'est toujours terrifiant. Les pétoches sont très très grandes, et du coup, cette bande dessinée, ça parle aussi beaucoup de ça, dans les années 2010. Il n'y a pas masse de représentation de personnes queer, il n'y a pas masse de représentation de personnes lesbiennes, donc c'est des milieux qui, si aujourd'hui sont plus respectueux, à l'époque l'étaient aussi moins parce que moins au courant, plus de... Je sais pas, moins de représentation, donc en fait aussi beaucoup plus de fantasmes, de projection, et donc c'est un moment qui est absolument terrifiant, et c'est aussi, la BD elle parle beaucoup donc de la peur de Clémentine d'être découverte, mais aussi de sa découverte de l'amour, sa découverte de la sexualité, sa découverte de l'intensité d'un crush, mon pote. Ouais. C'est... Par contre... Quand on est ado, ça brasse beaucoup, beaucoup d'émotions.
Je sais pas trop à quel point c'est ok. Trigger warning spoiler sur un truc. C'est que là, on est face à un truc qu'on aime pas trop. C'est que la fin... Enfin, c'est pas de la queer joy. On va pas se mentir. Ah ouais, non, c'est triste. Hein. C'est vraiment triste. Oh, et mon c'est pote. Triste d'une façon hyper classique par rapport à ce qu'on a l'habitude. Mm. C'est-à-dire vraiment des lesbiennes qui souffrent. Enfin, mm. Mais qui souffrent bien. Voilà, tu te rappelles de la fin. Qui est très différente du film. Voilà. Et du coup, je vous cache pas qu'aujourd'hui, il est pas hyper... il est daté, en fait, le livre, je trouve. Mm. Parce que... Mais je sais pas parce que honnêtement, je sais pas si Jules Marot l'écrivait aujourd'hui, il changerait la fin ou pas, et c'est même pas sûr. Parce que c'est aussi une histoire qui est triste, c'est une histoire d'amour triste. Bah ouais, mais fin. De l'impossibilité. Mais ouais. Faudrait que je la relise, je vais la relire. En vrai, c'est juste genre, je pense que ce genre d'histoires, elles sont nécessaires, et à l'époque c'était nécessaire dans le sens où en plus ce genre d'histoire n'était même pas vraiment racontée. Oui, non, par c'est contre, ça. Maintenant. Bon. Oui, mais puis des personnes en fait... queer qui souffrent oui. physiquement ou psychologiquement, oui. Mon Dieu, on a que ça. Donc. Ouais, en fait, il y a aussi des choses qui sont propres à 2010. C'est-à-dire que. Bon, bah, du coup, trigger warning spoil et trigger warning maladie, mais il y a. Je sais plus laquelle des deux a un cancer. Clémentine. Est malade, elle a un cancer. Et. Ben, quand Emma vient à son chevet, en fait, elle ne peut pas avoir les informations parce que elle n'est pas considérée comme de la famille, alors qu'elles habitent ensemble. Mmh. Alors que, voilà, enfin, parce que c'était la réalité en 2010. Ça n'est plus le cas aujourd'hui où, si, en fait. Oui, si, oui, ça voilà. C'est encore le cas aujourd'hui, ça l'est moins. Mais à l'époque, c'était aussi... Et pourtant, 2010, c'était il y a pas longtemps, hein, mais... Mais donc, ça parle aussi d'homophobie quotidienne, d'homophobie ordinaire, et de choses qui, ben... Je pense, oui, sont datés parce qu'on a eu quelques changements dans la société, mais pas des changements énormes non plus. Et voilà, si vous voulez une histoire d'amour triste, donc trigger warning homophobie, mais c'est une histoire d'amour triste. Et moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire d'amour triste. Ah, mais moi, j'avais adoré hein, la première fois que j'ai lu. Mmh. Et puis, bah, en fait, c'est la première que j'ai lue, du coup. Je pense que j'avais lu Alison Bechdel après. Moi je suis aussi. Pas sûre, mais je suis presque sûre. Mmh. Non, mais t'as raison. Et moi, j'étais en mode. C'est la première que j'ai lue. Waouh. Enfin, vraiment en mode. Mmh. Ouais, let's go. Parce que. Mais ouais. Cette bande dessinée, elle a eu un énorme impact sur la communauté queer et aussi sur la société française. Cette bande dessinée, elle a énormément marqué, elle a reçu plusieurs prix. C'était, à l'époque, c'était du jamais vu et c'était presque impensable que ce soit vu et que ce soit diffusé. Et c'était vraiment... Jules Marot a jeté un pavé dans la mare avec ça. Et bah merci à lui d'avoir fait ça. Grand bien lui fasse. Bah ouais, et puis en fait, même si on déteste, et je ne peux pas mettre l'emphase assez de... On déteste l'adaptation. C'est oh quand là même là une là adaptation là là. Qui a été faite en France. Ouais. Et qui a reçu une palme, tu vois. Ouais. Genre, même si on sait que tout ça, c'est politique, machin, et que... Enfin, en vrai, c'est oui. beaucoup de l'apparence et tout ça... Mine de rien, je pense, en vrai, il y a quand même des gens qui se sont dit, bah, en fait, maintenant, on est quand même, genre, on existe, tu ouais. vois, dans le paysage audiovisuel et on est reconnu oui. comme tel, même si, encore une fois, ne regardez pas cette merde, mais, voilà. Également, je me permets de dire, si vous voulez, vous partager aussi des BD que vous aimez bien et que vous aimeriez nous conseiller, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire dans le chat, et si jamais vous n'êtes pas en direct, c'est parce que vous regardez la rediffusion sur YouTube. Vous pouvez le faire dans les commentaires de YouTube et on vous répondra. On est toujours chaud. Oui. Voilà. Bah ouais, en fait, le bleu est une couleur chaude. Ça a été un fondement de... Et c'est un fondement de la culture queer française. Mm. Il faut le noter. À une époque où la culture queer internationale était quand même finalement plutôt The L Word. Ouais. Je vous cache pas qu'on partait de loin quand même. Oui, c'est ça. Bon, on repart sur les US. Avec... Merci Clara, c'est gentil. El Famoso, j'en ai parlé tout à l'heure, Tilly Walden, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Tilly Walden, elle est connue, je crois, pour Spinning d'abord. Ensuite, je crois qu'il y en a un autre, j'ai oublié. Ensuite, il y a On a Sunbeam, donc dans un rayon de soleil, qui est l'une de mes œuvres préférées au monde. J'en ai beaucoup, mais dedans,
J'ai tout cassé. Merci pour le follow. Merci. Je sais pas si c'est Tib 006 ou c'est Tibo 6, mais merci de follow la chaîne de Radio Moustique. C'est moi. Merci beaucoup. Je suis à 2 followers d'en avoir 100. Je suis très content. Allez, on se rue. Appelez vos copains. Prévenez tout le monde. Créez un compte avec l'adresse mail de votre mamie. Merci. Dans un rayon de soleil, c'est... Ah non, c'est que l'alarme, elle sonne 2 fois. Moi aussi, je me suis dit, oh non, encore, trop bien. Vos espoirs. Dans un rayon de soleil, c'est une histoire de science-fiction, c'est du space opéra. On va suivre un personnage qui s'enfuit de l'école, on ne sait pas vraiment pourquoi au début, et elle rejoint une équipe qui fait de la restauration architecturale. Donc, il part sur un chantier, restaurer des trucs. Voilà, des lieux. C'est absolument génial, par une tonne de points. En particulier parce que dans cet univers fictif, il n'y a pas de man. Tout le monde a 2 mamans. Il y a des personnages féminins et des personnages non-binaires. C'est tout. Period. C'est génial. Alors, c'est génial parce que, ben, effectivement, c'est un parti pris scénaristique. Je suis trop près du micro, je crois. C'est donc un parti pris scénaristique qui est extrêmement intéressant. C'est aussi génial parce que les couleurs sont folles, parce que le scénario est incroyable. C'est... Ça parle d'amour, ça parle de tristesse, ça parle de la fin du monde, ça parle de... Jusqu'où on est prêt à aller par amour, mais aussi qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner, qu'est-ce qu'on abandonne, et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, c'est quoi l'amitié, c'est quoi la famille, c'est trop beau. C'est incroyable. C'est une de mes BD préférées. Bravo. Clarou dit, j'ai lu dernièrement Genderflou de Tamos Le Thermos, autoriste non-binaire qui est génial sur les réseaux, c'est une BD courte avec des petits sketchs surtout, et c'est autobiographique sur la réflexion sur le genre, c'est marrant et émouvant, ça vaut le coup d'œil, même si c'est du dessin très simple, noir et blanc. Du coup, j'aimerais bien le lire aussi. Il y a... Qui m'en a parlé ? Chloé m'en a parlé. Et nous voyons Clara le lire sur le canapé oui. Depuis quelques temps. Donc, merci de la reco. Oui. Et après, il y a eu Sur la route de West, qui est une histoire fantastico-onirique sur 2 personnages qui voyagent, qui sont sur la route. Et au fur et à mesure, on va en apprendre plus sur leur passé, sur pourquoi est-ce que on a l'impression que ces 2 personnages qui ne se connaissent pas, qui se connaissent depuis toujours, pourquoi est-ce qu'elles sont en fuite. À chaque fois, c'est des petites pépites. En fait, chaque bande dessinée, je trouve, cristallise un moment, une émotion et la totalité d'un univers. Et c'est extrêmement touchant parce qu'on a l'impression de rentrer dans cet univers, de le traverser et de ressortir. Et rien n'a bougé. Tous les mécanismes de l'histoire, ils sont toujours en place pour quand tu vas recommencer la bande dessinée. Il ne va pas y avoir de révélation qui fait que la deuxième lecture va être différente. Tu vas toujours repénétrer à l'intérieur de la même chose. C'est hyper beau. Et c'est aussi très... très touchant de par la façon dont les sentiments sont décrits. On a un peu l'impression de pénétrer à l'intérieur de d'un univers, mais aussi de l'âme de quelqu'un. Et c'est une expérience qui est déboussolante et qui est vertigineuse et qui est aussi un peu intimiste. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je la ferme, je me dis « Oh là là, oh non, la pub, encore la pub !» Waouh, effectivement. C'est reparti pour la pub. Regardez les pubs parce que peut-être je vais gagner plus de 0,05 centimes. 2 pubs sur 7. Ouais. Mes aïeux. Je suis désolée. Du coup, il n'y a que Logan qui peut nous voir là actuellement. C'est bon, on va aller faire pipi si tu veux. C'est gentil. Bravo le sang d'être abonné. J'avoue. Mais du coup, les gens ils nous entendent pas. Coucou Logan, je crois que les gens ils sont pendant la pub et du coup ils nous entendent pas. Il y a que genre moi qui peux voir parce qu'il n'y a pas de pub.
et Logan. Ça va, Logan? Tu passes un bon moment, mon pote? Allez, 1 minute, 1h16 de live, c'est ça, c'est au bout de 15 minutes et de 1h15. Tu crois qu'on a de quoi tenir 2 heures? Oh là, je... Ah ouais? Oui. Moi, j'ai pas la pub. Pourquoi t'as pas la pub? Bah, enfin, bienvenue et profite du fait de pas avoir la pub. Mais est-ce que peut-être sub? Non. Mais des fois ça dépend de... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je vais la désactiver, la pub. Bonjour. Jason SRN. Je vais tout désactiver pour qu'il n'y en ait plus, parce qu'en fait, ça sert pas à grand-chose. J'aime que les gens nous envoient un message pour nous dire « Oh non, la pub !» et nous préviennent que c'est la pub. C'est gentil. On remercie Madeleine, qui ne nous entend pas, mais qu'on remercie quand même. Je sais pas si le Wizbot il a envoyé les trucs. One Piece, Logan. Oui, clairement One Piece. Si je vous entends back... Oh. Cool. Ouh. Ouh. On est des pros ici. T'as vu? Ben normalement, le bot est censé envoyer une présentation régulière de la chaîne, mais je sais pas s'il l'a fait. Faudra que je vérifie ça après. Je crois pas. Oh là là, vous savez, la technologie, c'est fou. Bon. Ben, toujours pas, hein. Bah, j'espère. J'espère les gens. Les gens nous entendent back. Là, ça devrait être le cas. Ça devrait être mieux. Hourra, on est de retour sur les internets. Impression d'être sur TF1. Je suis actuellement Nikos Aliagas. Et moi, je suis quelqu'un de TF1, parce que je connais pas TF1. Claire Chazal, elle est sur TF1? Elle ne plus depuis longtemps. Oui, mais bon, elle était sur TF1. Machin boulot, là. Machin boulot. Vincent Cinetti, je crois, Danse avec les stars? Non, il est plus là aussi. Moi, je suis désolée, je garde Claire Chazal, d'accord, parce qu'elle fait une voix dans Le Monde de Dory et ça m'a rendu très heureux. Parce qu'en VF, ça dit « Bonjour, je suis Claire Chazal wow. !» C'était bien. Pardon, on parlait de BD queer. J'ai Gilles Boulot. Et comment ai-je pu oublier le nom de mon fils? Purée, je sais pas comment... Je sais pas comment vous connaissez ces gens. Je pense qu'il va en sortir plein. Et on va voir ce qu'il y a sous la main. Alors, il y a... Je vais découvrir en même temps que vous. On dirait un tour de magie. Alors là, c'est le moment où je suis censée vous distraire parce qu'il se passe des trucs en coulisses. Bah, tu peux commencer par présenter ça. Ouais, je connais pas. Oui, mais tu connais l'autrice. Mais c'est vrai, comment ai-je pu oublier Molly Knox Ostertag. D'ailleurs, en plus, j'ai pensé à toi, car à la bibliothèque, il y a une très jeune fille qui m'a demandé de le lire avec beaucoup d'enthousiasme. Ah, trop bien! Et Molly Knox Ostertag, pourquoi on l'adore? Alors, personnellement, on l'adore parce que sur les réseaux, on l'adore. Oui. On l'adore également pour, et c'est triste à dire, mais je vais le dire, sa relation pour son mariage. Amoureuse et son mariage avec Andy Stevenson. Voilà, qui est créateur de She-Ra. Ouais, showrunner de She-Ra. Merci de regarder She-Ra, et ceci est une attaque visée. Il est l'autrice aussi de Nimona, ben, je le cherche. Et j'ai... Il est justement derrière toi. Ah voilà, il me demandais où je l'avais rangé. Et également de Lumberjack. Ouais, ils sont derrière, je les ai pas sortis parce qu'il y en a trop... Et donc nous sommes sur un power couple, Molly Knox Ostertag qui a également écrit Le Garçon et la Sorcière. Non, Le Garçon Sorcière. Le Garçon Sorcière. Ah, je vous montre le tome 1, c'est une trilogie. Alors attendez, on va enlever la lumière que Vénus a activée. Oh, pardon. Le Garçon Sorcière, c'est une trilogie jeunesse qui est éditée comme La Fille de la Mer chez les éditions Kinaï, qui sont... Et je pèse mes mots, la meilleure maison d'édition jeunesse contemporaine. Voilà, c'est mon top. Clarou dit tip top, Le Garçon Sorcière. Que de goût dans ce chat. C'est une trilogie. Et la jeune fille de la mer, c'est un one shot.
Molly Knox Ostertag, elle est aussi scénariste. Elle a écrit pas mal d'épisodes de The Hill House, en particulier tous les épisodes avec des histoires d'amour. Et également, si vous voulez lire des fanfictions sur Le Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à aller sur son profil. C'est trop bien. Coucou Will, comment ça va? Bonjour. Ah oui, t'as fini ton live, c'était bien. Et on parle de BD, de BD queer, et on parle de Shira. J'ai tenté un raid, je sais pas si ça a marché. Bah je pense pas, parce que normalement j'aurais eu une alerte et j'en ai pas eu. Mais c'est gentil. Merci beaucoup. on va s'en sortir avec les raids, moi aussi je vais comprendre comment ça marche bientôt. La fille de la mer, c'est une histoire d'amour. Un peu triste, mais pas si triste, mais quand même un peu triste. C'est une très cool histoire entre deux personnages. Le personnage principal, c'est cette jeune fille. J'ai encore oublié son nom parce que vous savez bien que je ne retiens pas les prénoms. C'est l'été des vacances. Elle doit passer les vacances avec ses potes, mais elle est un peu mal à l'aise parce que elle aimerait bien faire son coming out et elle a peur des réactions de ses amis et de sa famille. Elle est très mal à l'aise et, fun fact, un truc totalement improbable, elle rencontre une jeune fille trop mimi et elle tombe giga love. Et en fait, il s'avère que cette jeune fille, c'est une selkie. Et donc, en fait, elle vit dans l'eau. C'est une créature mythologique. Et donc, il y a toutes les péripéties de « oh là là », mais en même temps, on passe des moments trop mimi ensemble, mais il faut se cacher de mes copains, mais on passe des moments trop mimi ensemble et c'est trop bien, mais tu n'es pas un être humain, donc en fait tu ne sais pas comment fonctionnent des trucs simples des humains. C'est tristoun quand même, mais c'est très beau. Tristoun. Ouais, c'est tristoun. Mmh. Mais moi j'ai trouvé bien, mais effectivement un peu tristoun. Mais on accepte le tristoun. Ouais, parce que c'est chouette, okay. Tristoun, et puis c'est pas un triste drama horrible, c'est un tristoun beau. Le tristoun de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et Andy Stevenson, bon, c'est encore son day name, alors je mets mon doigt dessus, hop là, a fait, non c'est pas parfait, on le voit pas, Nimona, qui est un, je vous en avais parlé d'ailleurs je crois quand je parlais de la représentation, dans mon live sur la représentation queer et qu'on parlait de Shira et de Andy Stevenson, ça a été un best-seller aux US, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nimona, qui est plutôt acceptée nulle part, qui est spécialiste dans faire absolument n'importe quoi, et qui devient le bras droit d'un super méchant du coin. Vraiment un super méchant local. Et c'est bizarre parce qu'en fait, elle est très décalée. Ouais, personnellement, j'avais essayé de la lire, la BD. J'avais pas trop accroché, hein. J'avoue, c'est très... Le personnage est très étrange. T'as du mal à t'accrocher aux personnages, ils sont vraiment absurdes. Moi, j'adore, dans leur prise de décision. Mais oui, c'est très absurde. Du coup, si vous êtes comme moi et que vous avez un peu besoin que les personnages soient presque des potes pendant le temps de votre lecture... Ouais, non. C'est un peu compliqué. C'est pas ce genre de livre. Mais dans ces cas-là, vous pouvez lire Le Garçon Sorcière, très bonne trilogie. Ensuite, il y a un truc... Alors là, c'est vraiment triste, donc... Yes. Voilà. C'est le reconnaissance de Laurier. Ce sont des témoignages de transphobie ordinaire qui étaient que en fait Laurier récupère et qu'il met en image et en illustration. C'est à la base c'était sur son blog, donc reconnaissance. Il en a fait une BD papier. Vous pouvez pas on peut pas la lire juste d'un coup parce que c'est trop dur. Mais c'est très important que ce soit publié. Et ça parle vraiment de plein de moments de transphobie ordinaire. Et je pense que c'est aussi une BD qui peut être intéressante à offrir à des gens qui comprennent pas vraiment ce qu'on vit, qui comprennent pas vraiment ce que c'est que la transphobie, qui comprennent pas que pourquoi quand ils disent ça, c'est transphobe. Et ça fait un peu réaliser les choses. Mais ouais, faut être accroché parce que c'est quand même violent. Ça, c'est aussi une de mes BD préférées. C'est ma copine Florence qui me l'avait conseillée quand je gardais ses chats, Lilo et Kero. J'allais faire du cat-sitting régulièrement et à chaque fois, elle me sortait une pile de BD.
et une pile de lecture pour que je puisse m'occuper, parce que Kero adore qu'il y ait du monde qui soit sur le canapé. Donc je restais sur le canapé et je lisais. Et Les ennuis de héros, c'est le deuxième one-shot d'Isabelle Greenberg. Le premier, c'est l'encyclopédie des débuts de la Terre. Je vous recommande de commencer par Les ennuis de héros, même s'il y a des rêves qui sont dans l'encyclopédie des débuts de la Terre. Je trouve que c'est plus simple d'entrer dans l'univers comme ça. C'est peut-être hors sujet, mais est-ce que ce genre de BD existe aussi sur la psychophobie par rapport à Reconnaissance ? Ouais, beaucoup de BD qui traitent d'un parcours de diag et éventuellement ouais, d'un rejet. En fait, ça dépend de ce que tu cherches, parce que là, du coup, c'est une compilation de témoignages. Finalement, c'est quelque chose de plutôt rare. Parce que moi, j'ai des titres de personnes qui ont écrit une auto-bio par rapport à la psychophobie, mais c'est pas, du coup, c'est pas plein de témoignages. Mais il y a La différence invisible, ouais, de Julie Dachez, il y a la BD de Frix, il y a Goupil aux faces de Louloubi. Ouais. Je cherche le titre de la BD de Frix, c'était Dissection de... Oh non! Des trucs de ma tête. Attends, je vais retrouver sur internet. Flûte. Il y en a beaucoup sur les violences médicales aussi. Donc oui. C'est vrai que ça peut être aussi, ouais, lié. Julie Dachez, on en a beaucoup parlé, oui. Oui, c'est, ça s'appelle La différence invisible. Qui parle de l'autisme, globalement. Oui. Et de son parcours pour... pour être diagnostiquée autiste, et aussi du fait qu'elle a pas mal subi de rejet, ouais, de la part de ses proches qui la comprenaient pas pendant, ouais, des années. Oui. Qui... Alors, elle appelle l'autisme Asperger, ce qui est maintenant non daté comme appellation. Oui. Mais sinon, le reste de la BD me semble pertinent. Ouais, c'est une BD qui vaut le coup. Il y a donc Goupil aux faces de Louloubi qui parle de la cyclothymie. Ce qu'on appelait anciennement la bipolarité de stade, je sais plus si c'est stade 1 ou stade 3, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, qui parle de ça. Et sinon, il y a la BD de Frix qui est sortie l'année dernière, Autopsie des échos dans ma tête, qui parle aussi justement du quotidien d'une personne folle, comme elle se décrit elle-même et comme elle le dit, qui est aussi, on m'en a aussi beaucoup parlé, on en a dit beaucoup de bien et elle était très attendue. Et Frick sur les réseaux sociaux fait aussi beaucoup de vulgarisation justement des maladies mentales. Et je crois que c'est un peu tout ce qu'on a sous la main. Ouais. Il y a aussi des BD qui traitent très très mal de ce sujet. Oui. Qu'on ne recommande pas. Non, voilà. Donc non. Par exemple, comment il s'appelle celui qu'on n'aime pas là ? Qui a gagné plein de prix ? Bastien Vives. Non. Il y en a beaucoup qu'on n'aime pas. Oui, non mais... Celui qu'on n'aime pas qui a gagné plein de prix. Bastien Vives. Celui qui a fait Le Patient, Ces jours qui disparaissent. Ah, Timothée Le Boucher. Qu'on trouve surcoté. Voilà. Effectivement... On sait pas vraiment s'il parle de ça. En fait, c'est un peu compliqué. Le problème, de, pour moi, des bandes dessinées de Timothée Le Boucher, c'est que c'est toujours entre de la fiction et de la gigapsychophobie. Yes. Du coup, si vous prenez ça comme de la fiction, bah c'est cool, mais sinon, c'est vraiment très très psychophobe. C'est, ouais, je pense que ça dépend du point de vue du lecteur. Et je peux comprendre qu'on aime bien, parce qu'en soi, le récit, ouais, il est bien fait, le trait, il est bien. Il est très beau, ouais. Mais c'est vrai que si t'as une double lecture qui s'impose à toi pour X ou Y raison, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Je suis en plein dans les démarches pour un diag officiel. Ouais, bah ouais, je... Oui. Oui, on a la ref. Bah, effectivement... Je te recommande ces BD, Will. Après, c'est toujours hyper compliqué
que ce soit d'avoir un diag, de trouver de la représentation, de trouver ce qu'on a, parce qu'en fait, il y a tellement de comorbidités, bliblablou. Et aussi, ben, d'être dans un stade où on fait l'impasse sur les gens qui utilisent les termes psychiatriques comme des bonjours et des merci, là. C'est un peu, c'est compliqué. Compliqué. Et franchement, je pense qu'on comprend que t'es la haine, quoi, parce que c'est insupportable. La ref est présente. Et du coup, ouais... voilà. Courage à toi. Et du coup, effectivement, juste lire des BD de concernés, c'est vrai que ça peut être un peu réconfortant, je pense. Ouais, ça aide. Donc ouais, effectivement, oublie pas. N'importe quoi. Pense-y. Ça fait du bien. Et puis bah, il y a pas que des témoignages déprimants, quoi. Ouais, en plus, c'est vrai que je trouve que mine de rien, Goupil ou Face, c'est quand même sur l'acceptation et en fait, justement. Le soulagement d'avoir un diable, le soulagement d'avancer, le soulagement d'enfin comprendre. Et c'est le cas aussi de, je trouve, la différence invisible. Bah, la différence invisible, c'est vraiment genre comment on m'a enlevé un poids des épaules à partir du moment où on a reconnu que j'étais autiste, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ben, ça, je pense que c'est un... Enfin, je suis pas concernée, donc voilà, mais je pense que c'est un sentiment qui est hyper... Enfin, qui va parler à énormément de gens. Ouais. Et c'est un sujet qui est abordé... pour la condition physique hyper régulièrement, quoi. Il y a beaucoup de gens qui parlent... Enfin, l'autisme n'est pas une maladie, mais par exemple, pour la cyclothymie, qui est un trouble, il y a plein de gens qui parlent de leur condition physique qui... Par exemple, je pense au carnet de santé d'un homme qui part en diag pour la maladie de Crohn, ce genre de choses. Ça, c'est hyper démocratisé, mais la maladie mentale ou même la santé mentale ou quoi que ce soit, le fonctionnement des gens et tout ça, c'est quelque chose qui est... encore aujourd'hui mis sur le côté, donc mais franchement ça vaut le coup de se renseigner même pour nous aussi De ouf, ouais, il faudrait qu'on regarde ce qu'on n'a pas dans la bibliothèque aussi. Ça peut aussi être cool. J'étais en train de parler d'Isabelle Greenberg. Oui, c'est vrai. Les 100 nuits de héros, c'est un récit dans un récit, c'est un peu la spécialité d'Isabelle Greenberg, ce sont des récits imbriqués dans un monde fantastique qui a été créé par le dieu Aigle et par ses deux enfants qui s'appellent fille et garçon, parce que pourquoi faire compliqué. Et donc l'encyclopédie des débuts de la Terre parle beaucoup donc de filles et garçons, de la création du monde, des villes, des cultes. Les 100 nuits de héros, c'est une œuvre absolument incroyable. Qui, donc là, raconte au début la genèse. Je sais pas si c'est bien, il me semble que Lisa Mandel travaille là-dessus en ce moment sur son Insta. Oui. Lisa Mandel, ça me parle, ça. Lisa Mandel, elle a fait une année exemplaire et c'est elle qui a fondé les éditions exemplaires. Avant, elle a fait pas mal d'autres choses. Attends. Dont, si mes souvenirs sont bons. En mode recherche. Princesse M. Princesse, c'est Lisa Mandel. Que j'ai aussi lu chez Florence sur les conseils de Florence, qui a toujours d'incroyables conseils BD. Et effectivement, Lisa Mandel, elle a aussi fait Princesse M. Princesse, qui est une super BD, une super histoire d'amour entre deux personnages féminins, qui est très chouette. Et donc... Bon, au sein de cette histoire, donc, de la création du monde, de la création des cultes, on suit deux mânes chiants qui parlent des femmes. Qui disent que les femmes sont toutes nulles. Original. Et oui. Et... Il y a un man qui dit « Je déteste les femmes parce qu'elles sont toutes nazes, elles sont belles. » Et moi, un jour, j'ai rencontré une femme qui était belle et qui était aussi un peu intelligente, mais elle m'a trahi, on s'est mariés, et son pote, il lui dit « Bah, du coup, j'ai pas accouché avec le domestique, tu les as trouvés ?» Et il fait « Non. Et ben, en fait, j'ai envoyé mon domestique la séduire. » Et il est ressorti avec sa culotte. Alors ça a marché. Et le man, son pote, il est genre, bah, elle a dit quoi, ta femme? Et lui, il est genre, bah, elle a dit qu'il l'avait forcée
à prendre sa culotte. Et il est genre, bah t'as pas cru ta femme. Il fait, bah non, je l'ai tué. Car ce man est un gros crevard. Littéralement, finalement. Oui, tout à fait. Et attends, il y a un truc qui est trop marrant. Bon, j'adore cette BD. Ouais, trop bien la morale. Le man, il a une... Le man, il a une femme. L'autre man, il a une femme qui s'appelle Jérôme. Enfin, le man, donc, le deuxième, il s'appelle Jérôme. Celui qui a pas tué sa femme. Il a une femme. Et il dit, ma femme aussi, moi j'ai une femme. Elle est belle, elle est intelligente. Elle s'y connaît comme moi en château, mais moins que moi, évidemment. Et voilà. Et l'autre, il dit, bah, elle a l'air trop cool, ta femme, je vais la séduire. Et il lui dit, bah, de toute façon, elle est super fidèle, donc en fait, t'y arriveras pas. C'est vraiment deux bolos qui parlent. Et c'est dit. La voix du narrateur dit que c'est une sacrée bande de branquignoles. Et donc, cette femme, elle est trop cool, elle s'appelle Chérie, et elle est amoureuse de sa bonne, Héro. Elles sont... elles rougissent, elles sont très amoureuses. Et donc, en fait, Jérôme part pendant 3 mois et il dit à son pote, bah vas-y, tu vas voir, ma femme, elle est giga fidèle, t'es pas cap. Moi, ce que je te parie, c'est que pendant les 3 mois où je suis partie, tu seras pas capable de la séduire. Et du coup, l'autre, il dit, bah vas-y, j'en ai rien à foutre. Je vais venir tous les jours et je vais séduire ta femme. Du coup, tous les jours, pendant 3 mois, il vient. Et tous les jours, pour être sûr que... Le man n'essaye pas de séduire Chérie. Héro raconte des histoires, car Héro fait partie d'une confrérie de conteuses. Et donc, il y a plein d'histoires. Plein d'histoires. Sur Barad Migval, la grande ville, sur la confrérie des conteuses. Et toutes les nuits, et ben, il repart. Et en fait, il ne s'est rien passé et tout. Tous les matins, Héro s'endort dans le lit de Chérie avec elle en câlin. Hop là. Je vous dis pas la fin, évidemment, parce que sinon c'est pas fun. Mais les histoires sont incroyables. L'univers est génialement construit. C'est hyper... Il y a une construction de l'univers qui est très mythologique, avec évidemment des incursions des divinités dans le monde des humains. Mais c'est aussi... Il n'y a pas une énorme séparation entre les divinités et les humains, donc tout le monde se rapproche. C'est une très très belle histoire d'amour. C'est triste, évidemment. Ces deux Mexis qui rentrent dans un bar et vraiment pendant 3 heures, rien d'intéressant n'est dit. Mais c'est exactement ça. Mais vraiment, ils sont tous les deux au coin du feu en disant « Maman, je suis un bolos !» Et Jérôme, il répond « Maman, moi aussi, je suis un bolos !» Ils sont cons, comme des balais. Et tout le monde le sait. J'adore. Il y a un moment où elle le dit. Ça me rend content. J'aime les blagues dans la narration. Ça me rend toujours très content. J'adore. Je n'ai jamais rencontré de femme qui remplisse tous mes critères. Ok, Manfred, quels sont tes critères? La beauté, évidemment. Mais ça n'est pas tout. Il y a plein de femmes qui sont belles. Derrière leurs yeux innocents, on sent qu'elles complotent à la perte de tous les hommes. Ah frérot, détends-toi. Jane Austen intensified, hein, vraiment. Si voilà. Je peux me permettre. Belle, assez maligne pour tenir une discussion, pas assez pour ne pas être de mon avis. Obéissante, chaste, capable de repriser les chaussettes, pas ambitieuse. Se marier avec moi doit être sa plus haute ambition, intéressée par mes passions. La fauconnerie, les machicoulis, les cartes, etc. Mais elle doit être moins calée que moi. D'accord, c'est assez précis. Qui a des critères comme ça? Les mannes sur Tinder hétéro. Ah mais en et fait... Et les héros de Jane Austen, vraiment. Mais vraiment, ils sont gigabêtes. Tellement de mecs, oui. Nous dit Logan. Faisons une petite pause et intéressons-nous à cette femme. Tout ce qu'avait dit Jérôme était vrai. Elle était belle, obéissante, forte en machicoulis et en faux conneries. En revanche, il avait tout à fait tort sur un point crucial. Elle était bien plus intelligente que lui. Et voilà. Comment se fait-il qu'une bombe pareille se coltine un abruti comme lui? Car soyons honnêtes, Jérôme n'était peut-être pas aussi puant que Manfred, mais il n'en était pas moins stupide. Voilà. C'est une très belle histoire. L'encyclopédie des débuts de la Terre est aussi
de très beau. Si vous aimez les contes, si vous aimez qu'on vous raconte des histoires, moi ça me rend zinzin, j'adore ça. C'est trop beau, c'est trop bien. Et les deux fonctionnent hyper bien ensemble. Tu avais pris un petit livre que tu as mis en dessous. Oui, j'avais oublié ça. Avec le livre de Reconnais Trans, il y avait le fascicule « J'ai un ou une amie trans fait par Laurier ». Et c'est un chouette bouquin justement pour les gens qui ne sont pas concernés, qui veulent avoir des informations sur... comment être des bons alliés pour leurs potes. Très bien. Et ce fascicule, il est disponible en PDF, je crois gratuitement. Et il est disponible en brochure. Il est très très bien. Oui, il est vraiment très bien. Il est vraiment très explicatif. Je crois que j'avais... C'est un petit guide, en fait. Oui, c'est ça. Ça fonctionne comme un guide. Ah bah oui, j'avais sorti d'autres choses. J'avais sorti... Ah bah en train d'apprendre que... D'accord. La Rose de Versailles, le tome 1. Oui, j'ai acheté le tome 1. Ah non, c'est pas ça. C'est... Enfin, je ne savais pas que c'était queer. Bah en fait, La Rose de Versailles, donc, ça parle d'un man qui a... Coucou Thibaut 006, Thibaut 6, type 06. J'ai plein d'idées de surnoms. Je prends des notes. Bah écoute, franchement... S'il y a des trucs qui t'intéressent ou s'il y a des choses que t'aimes, eh ben, n'hésite pas à m'en parler ou à m'envoyer un message parce que j'ai des recos sur littéralement tout. Claro nous dit, j'ai trop hâte de le lire. Mais c'est trop bien. De quoi donc ? La Rose de Versailles, je pense. Ah, est-ce que c'est bien La Rose de Versailles ? La Rose de Versailles, ben, je pense que oui parce que type ça ira, ok. Le pseudo, et au lieu de faire du bourrin avec plein de questions déplacées, c'est trop bien d'avoir un petit bouquin comme celui que tu viens de présenter. Ben oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est, en fait, c'est un petit peu le but, c'est d'avoir un petit manuel à filer aux gens ou à offrir ou ce genre de truc. Je vais réfléchir à le filer à mes parents, j'ai une liste de choses pour mes parents. Donc La Rose de Versailles, ça parle d'un man qui est chevalier, qui a plein de filles et qui veut avoir un garçon parce que il a besoin de que la lignée de chevalier soit préservée. Fun fact, c'est raté puisque il a encore une fille et il dit j'en ai rien à foutre mon pote, tu vas t'appeler Oscar et tu seras chevalier. Donc Oscar est élevé comme un garçon et devient chevalier. Oscar a des très beaux cheveux blonds. Oscar est des jolis muscles. Oui, Oscar est important. Une magnifique chevalière. Et le but d'Oscar, ça va être d'accompagner Marie-Antoinette d'Autriche à la France, là où elle va se marier. Oui, c'est un très beau prénom, Oscar. et bon, Oscar étant magnifique, Oscar crush un petit peu, mais Marie-Antoinette crush beaucoup sur Oscar. Et après, il y a un autre man, un autre chevalier. Bref, c'est plein de triangles de love entre des ados blonds comme les blés, là, perdus dans leurs sentiments. Ouais, c'est très marrant. J'ai une question oui. pour toi. Tu recommanderais ce livre à partir de quel âge ? Parce qu'on s'est posé la question au travail. Mais je ne l'ai pas fini, donc en fait... A priori, jeunesse, en vrai, c'est jeunesse, okay. oui, jeunesse à fond. Hein. C'est aussi une vieille série. Enfin, c'est pas, y a pas de violence et tout ça. Donc vraiment, okay, super. Ça peut être lu. Alors après, ça c'est la réédition. Les anciennes éditions sont plus dispo. Il y a 3 tomes de cette taille-là et un tome plus petit. C'est quand même des sacrés pavés, quoi. Oui, bah c'est l'argument que j'avais avancé de... Bon, c'est juste une lecture dense, mais par contre, oui, let's go. Mais je voulais être sûre. Ouais, mais c'est une grosse lecture. Petit truc hors sujet, Radio Moustique, j'avais jeté l'info sur un présentant en live, mais si jamais t'as des questions sur OBS, Streamlabs et DaVinci Resolve, n'hésite pas à me contacter pour de l'entraide. Ouais, bah carrément. Merci Will, merci beaucoup. Et vraiment, c'est génial. C'est les 50 ans de La Rose de Versailles cette année. Donc, ils sont en train de préparer un film d'animation pour fêter ça, sachant qu'il y a donc eu une série animée intitulée Lady Oscar,
et que Jacques Demy était fan du manga et qu'il a fait le film Lady Oscar. C'est vrai. Donc inspiré du manga. Et ici, on pense quoi de Jacques Demy ? Ah, ici, on est très fan de Jacques on Demy. On adore Jacques Demy. On est très fan de Jacques Demy et d'Agnès Varda, les deux. Oh oui. Oh oui. Oh. Donc, ouais, je voulais en. Bah, on en avait parlé. Enfin, j'en ai parlé dans le live sur la représentation queer, justement, parce que ça a eu beaucoup d'influence. Et bah, il faut aussi le mentionner. Et sinon, je m'étais dit que j'allais vous parler d'autre chose. En vrai, j'ai plein d'autres trucs. Par exemple, j'ai un truc que je vais offrir à mes parents et qui, je pense, est très cool à offrir à des adultes ou des gens qui sont pas concernés, qui est tac, le journal d'Anne Marbeau, qui s'appelle Transition. C'est une BD fiction qui raconte donc le témoignage d'une daronne parce que son fils lui a fait son coming out trans. Il y a aussi Gauthier, alors c'est une autre BD, ça s'appelle Gauthier de Justin, ou Justin de Gauthier, parce que à chaque fois je suis perdue, c'est Justin, le titre c'est Justin, qui est une petite BD aussi qui parle de transidentité et du rapport avec les parents. Et là, en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est écrit du point de vue de la daronne. C'est la daronne qui dit, bah voilà, il se passe ça avec mon enfant, je suis perdue. Moi, en tant que mère, j'ai l'impression d'avoir tout raté, j'ai l'impression d'avoir fait des erreurs. Et ben oui, au fur et à mesure, évidemment, elle en apprend plus, elle commence à renouer avec son fils, et c'est très touchant, mais c'est aussi hyper intéressant d'avoir le point de vue d'une daronne qui est perdue, mais c'est pas voyeuriste non plus. Donc voilà, que je trouve que c'est une très bonne BD, c'était Louison, mon fan de Montréal, qui me l'avait... me l'avait conseillé et je lui en suis extrêmement reconnaissant, c'est très très bien. Et pour finir, parce que bon, ça fait presque 1h50, ouais, c'est fatigant, je voulais juste revenir sur des choses dont on avait parlé dans Attaque Surprise et qui me paraissent aussi importants à noter, qui sont des BD contemporaines. Donc, en vrai, il y en a plein. Ça, Quentin Rigaud qui a fait autre chose, non ? Juste ça. Non, il est en train de travailler sur Morte Sèche, okay, mais il fait partie de l'équipe d'Attaque Surprise. Mm. Peut-être pour ça que j'en ai déjà parlé. Bon, je pense qu'on est déjà très bien avec ça. On a ça aussi. Hop là. Ah, Gilles, ce se petit réveille. Bonheur. En fait. Bon, il y a plein de BD qui parlent d'histoire d'amour, il y a plein de BD qui parlent de relations queer, qui parlent d'identité de genre, et il y a aussi plein de BD qui n'en parlent pas en représentant des personnes et des personnages queer, des personnages racisés, des personnages non valides, et c'est pas le point de l'histoire. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant aujourd'hui, parce que les gens qui font de la BD aujourd'hui sont soit des gens concernés, soit des gens qui ont grandi comme nous dans un climat avec très peu de représentation et qui trouvent en fait que effectivement bah, c'est important d'avoir de la représentation. Et donc c'est le cas de, bah, de pas mal d'histoires où c'est vraiment pas le point. Donc par exemple, je vous ai mis les deux tomes de Mekaniki. Je vous en avais parlé pendant le live sur Attaque Surprise. C'est une histoire d'aventure en deux tomes, c'est incroyable. C'est bourré de rebondissements. Il y a des personnages non valides, il y a des personnages queer, il y a des personnages racisés. Ça n'est pas le point de l'histoire. On n'est pas là pour s'approprier un vécu ou un coming out. Juste, c'est la vie. C'est pareil pour Petite Plume. Il y a deux tomes. C'est une série de Bou Lin Elnen. C'est incroyable. Vraiment, moi j'ai adoré. C'est très beau, c'est très doux. J'avais pas dit Mekaniki, c'est Exaeva et Félix Laurent. Par exemple, c'est pareil, donc dans Les Petits Garçons de Sophie Bédard, l'un des personnages principaux est lesbienne, et en fait, c'est pas le... Elle est bi, pardon. Et oui, en fait, oui, c'est pas du tout le point de l'histoire. Ce n'est pas important. Et donc, c'est des... Et c'est pareil pour Stigma, donc on en avait parlé. C'est important d'avoir...
de la représentation et aussi en tant que créatrice de réfléchir à cette représentation. Donc, par exemple, voilà, dans Stigma, le personnage principal, c'est un personnage qui a une prothèse parce qu'il lui manque un bras. Et en fait, l'histoire, ça n'est pas comment j'ai perdu mon bras et mon traumatisme d'avoir perdu mon bras. Et, ou, ah oui, je suis lesbienne, mon traumatisme d'être lesbienne. Non. En fait, juste, elle a une mission, elle va faire sa mission. Ça va foirer, il va se passer plein de trucs trop cool. Mais ça n'est pas le point. Et c'est aussi important aujourd'hui d'aller vers des personnes qui vont justement mettre en avant cette représentation sans s'approprier du vécu, mais mettre en image les choses de la vie de tous les jours plutôt que de limiter l'univers à des mecs blancs, cis et hétéros. Mm. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'histoires avec un très bon univers, avec de la représentation et des façons de faire qui sont très intéressantes. Je pense en particulier à Peste de Govan Manathan, où l'écriture inclusive, elle va être utilisée tout au long de l'œuvre, et en fait elle va donner un cachet un peu médiéviste à l'ouvrage, qui rajoute en fait une saveur. Il y a des personnages lesbiens et trans, et en fait ça n'est pas le point. Juste inclure sans focaliser, je sais pas trop le formuler. Oui, c'est ça. En fait, dans le monde de tous les jours, dans le monde qu'on voit tous les jours, dans le monde qu'on expérimente tous les jours, il y a des personnes trans, il y a des personnes lesbiennes, bisexuelles, et aussi hétéros, même si, beaucoup trop. Il y a des personnes blanches et des personnes racisées, il y a des personnes non valides et des personnes valides. Pourquoi est-ce que quand on fabrique une bande dessinée, on met que des personnes blanches? Pourquoi est-ce qu'on met que des personnes hétéros? Parce qu'en fait, ça ne représente pas le monde dans lequel on vit. Donc, le but, ça n'est pas de s'approprier un vécu qui n'est pas le sien, comme l'aiment beaucoup le faire plein de gens. Je citerai personne, Linnaeus Dean, le prix des utopiales, tout ça. Bref, des gens qui vont s'approprier un vécu qui n'est pas le leur, des traumatismes qui ne sont pas les leurs. Qui vont fantasmer aussi. Ouais, c'est vraiment du trauma porn. Mais not in a good way. Oui. Comprenez-moi. Oui. Voilà. Alors que là, c'est pas un problème. Juste, il y a des personnes lesbiennes. Et en même temps, écrire des personnages lesbiens, ça demande pas un doctorat. Le personnage secondaire, il a une copine. Ok, point. Ça n'est pas. On n'a pas besoin de plus. Bah ouais, c'est les petites choses comme ça qui font que, par exemple, on est beaucoup à avoir la rêve de, quand nous, on grandissait, en tant que bi, il n'y avait rien, quoi. Genre, ma première représentation de la bisexualité, dans la BD, ça a été Heartstopper, which is triste, et à la télé, ça a été des trucs pas ouf. Merci pour le sub, Tib. Ça me fait très plaisir. Bravo, merci. Oui. Un univers qui ressemble au nôtre, quoi, c'est tout. C'est ça. En vrai, c'est la. On parle toujours de représentation et tout ça, et c'est le cas. Et en même temps, il y a des fois où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que vous nous faites chier? C'est juste. Ça se met deux fois. Il va falloir que je le revoie ça. Qu'est-ce que vous nous faites chier, en fait? Oui, c'est en ça. Fait, si tu regardes autour de toi, tu vois littéralement plein de gens. Hyper différent. Alors là, on dirait que je parle comme Yannick Noah dans une de ses chansons là, en mode. Voilà. C'est pas grave, Louis mais... Noah, c'est pas grave. Mais ça sauce d'aime comme jamais. Mais en vrai, c'est un truc dans lequel, personnellement, dans mon univers de travail et tout ça, c'est encore compliqué de dire ah tiens, on va valoriser des personnes concernées qui parlent de choses, ouais. Et aussi on va valoriser des histoires où le coming out n'est pas le centre de l'intrigue et où la mort n'est pas la seule issue d'un coming out. Parfois c'est juste dire hey, au fait, dans telle série, il y a un personnage qui est, un personnage qui est queer. C'est pas le personnage principal et c'est pas l'attrait principal de l'intrigue, mais on s'en bat la race, c'est quand même cool. Mm. C'est comme tu vas à une réunion de famille, il y a ton cousin qui est gay, tu vois, genre. Ouais. C'est juste la vie, quoi. Oui. Je crois que mes premières refs non hétéronormées, c'est Steven Universe et Adventure Time. Comme moi, beaucoup de gens, moi aussi, ça a beaucoup été ça.
j'ai lu le bleu et tout, j'ai une couleur chaude quand j'étais en prépa, donc je pense qu'il était sorti depuis pas très longtemps. Et après je suis tombée dans Steven Universe et après je suis tombée dans la BD, mais en fait il a fallu du temps. Et bah là moi j'ai énormément de bandes dessinées queer ou avec beaucoup de représentations, mais c'est aussi du travail, enfin pas du travail, voilà, mais en fait c'est parce que c'est ce que je cherche, sinon c'est pas des choses qui sont mises en avant tout le temps et partout. J'ai une grosse BD tech de ça, mais c'est moi qui passe des heures à chercher. Ça c'est, littéralement, voilà, ça c'est une illustratrice que je suis sur Twitter. Sur Twitter et Insta, je suis, je pense, genre 1000 ou 2000 personnes qui sont juste des gens de l'illustration queer. Et voilà, et elle a dit, j'ai fait une BD, c'est une histoire d'amour Mimi avec de la magie entre deux meufs. Et je suis genre, j'achète, tu vois. Et prenez mon argent. Bah oui, c'est ça. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'y tiens beaucoup à ma BD tech. C'est parce qu'il y a plein de choses que j'ai galéré à trouver. Il a fallu. Ouais. En fait, c'est aussi triste de se dire que si on veut des histoires chouettes avec ou de la représentation ou ce genre de choses, il faille la chercher, il faille se mettre en action. Parce que il y en a pas beaucoup. Et là, le fait que par exemple Voleuse soit sélectionnée au prix d'Angoulême, que la bande dessinée ait incroyablement bien marché, c'est génial. Parce que c'est une histoire d'amour lesbienne entre deux ados. Et c'est beau et c'est touchant. Et ben c'est surtout combien de milliers d'histoires d'amour hétéro on a vu passer avant. Je peux pas les compter. Bah c'est ça, et aussi, je sais pas si c'est vrai, mais de mon impression, peut-être parce que mon point de vue est biaisé parce que je vis avec toi, mais il me semble que dans la BD, on est quand même vachement en avance en termes de ce qu'on représente par rapport à la littérature, on va dire classique, mais c'est un terme de merde, et en vrai, c'est hyper bien parce que ça touche énormément de publics différents et c'est hyper accessible et tout ça, mais c'est aussi, je pense, surtout un peu avant-gardiste. Genre, en tout cas, de la représentation moderne de nos questionnements actuels sur les questions queer. Purée, moi je suis pas capable d'en citer plus de 4, quoi. Enfin, et bon, après, je suis peut-être aussi pas un rat de bibliothèque comme il faut, mais voilà. Donc, je trouve que ça, c'est hyper important à valoriser parce qu'en plus, la BD, en plus de la raconter, elle montre. Ouais, c'est ça, ça met beaucoup en image. On va passer sur l'autre écran pour, hop là, enlever l'autre caméra. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je disais dans mon live sur la représentation queer dans les dessins animés. On a beaucoup parlé d'animés japonais et d'animés américains. C'est aussi parce que c'est les deux vecteurs les plus en avance. Mais oui, Évangélion, on pense à toi. Oh, Évangélion. La représentation qu'on n'attendait pas. Oh là 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 là, Néon Genesis, qu'est-ce que je t'aime. Mais oui, moi, oui, comme beaucoup de gens, ça a été Steven Universe parce que c'est un excellent dessin animé et parce que c'est un travail de représentation qui est incroyable et qui est hyper agréable à voir. Et en même temps, c'est pas le point de l'histoire. Hunter, Hunter... ne parlons pas des sujets qui fâchent. Également, Logan disait, non mais clairement, quand tu vois des films censés se passer à Brooklyn dans les années 80 et que tous les extras derrière sont blancs, c'est juste pas crédible. Représentation dans les films, waouh, spoilez pas. On n'a rien dit. Nous n'en dirons pas plus. T'as qu'à finir, en fait. Qu'est-ce que tu fais, même? Pourquoi c'est t'es vrai, là il est temps de finir, parce que quand t'as fini, on regarde les films avec Aurore, et Aurore, elle attend. Bah ouais. Mais oui, en fait, c'est aussi que la crédibilité n'est pas bonne. C'est comme le film sur Stonewall, où c'est que des cis gays blancs, et que, voilà, il y a un souci avec Hunter x Hunter, j'ai loupé un truc. Non, pourquoi tu... C'est parce que t'as une réaction négative, mais c'est juste parce que c'est triste, en fait, je crois. T'as fait ah, ah, ah oui, non, c'est parce que j'attends la fin. Oui, c'est ça, c'est l'attente. Je suis très très fan de Hunter x Hunter. Je valide à 10 000% le fait que Gon et Killua soient amoureux. C'est parfaitement logique dans connaissant l'auteur aussi. Juste effectivement le fait que
comme d'habitude, le fandom soit très intense avec Hisoka alors que c'est un pédophile me met extrêmement mal à l'aise. Vraiment, vraiment très très mal à l'aise. Genre, SBP, stop la pédophilie. Ils sont trop bons, non, Gon et Killua sont incroyables. Et aussi, le fait que ça n'est pas le cas dans ni l'anime ni le manga traduit en français, mais normalement, dans la version japonaise, Kurapika n'est jamais genré. Et Kurapika, icône non-binaire, all day, every day, c'est mon personnage préféré. Et oui, c'est une relation hyper tendre entre vraiment mais deux gamins qui sont amoureux avec tellement de tendresse. C'est vraiment une très belle série. Enfin, moi, j'adore. Et Logan nous dit, purée, il faut vraiment que je les lise. Déjà, on va finir One Piece. On va parler de One Piece, et quand on aura fini One Piece, Logan... Ne te burn out pas avec des mangas, s'il te plaît. Maxou92, wesh, les meufs du CDI, ça dit quoi? Alors, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu baves? WTF. De qui tu parles? Je ne sais pas. Qui es-tu? De quoi? Personne travaille au CDI? Non. Non, je travaille pas au CDI, personnellement. J'ai rêvé un jour que tu travaillais au CDI. C'est vrai. Après, je travaille dans un CDI adjacent. Ouais. MDR, t'inquiète, je peux rien lire d'autre là. Ouais. Nous avons un Logan dans une spirale infernale. Logan lit One Piece et je vais bientôt le rejoindre. Pardon, me dit Maxou. Je vais bientôt le rejoindre dans le One Piece Gate. Et on vous fera un live sur One Piece. Et ensuite... T'as dit tu t'as fait au CDI. Quoi? Non. Non, je crois pas. Je sais pas de quoi tu parles. Et Logan, si à un moment, après One Piece, après notre aventure One Piece, t'as envie qu'on attaque Hunter x Hunter, c'est pas parce que j'ai tout relu récemment que je peux pas tout relire. Je serais extrêmement chaud. J'adore. Et d'ailleurs, je les ai presque tous. Donc, faut que... C'est quoi le One Piece pour vous? Bah attendez, parce que alors déjà, moi je me suis arrêtée au tome 54, donc en fait j'en ai 100 de retard. Mais j'espère que ça n'est pas les amis que l'on s'est fait le long du chemin. Car si c'est quelque chose que j'accepte souvent, je ne veux pas que ce soit les amis que l'on s'est fait le long du chemin, vraiment. Une piste, j'ai découvert en animé et je me suis arrêtée à la bataille contre la marine Elise Nobby. Je me rappelle pas, je suis désolée, j'ai lu il y a des années. Ouais, mais on en parle bientôt. Est-ce qu'on conclurait pas ce live qui a duré 2h04? Eh bien. Et où Vénus ne nous a embêté que deux fois. Comme quoi? Trois fois. Un peu plus. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'être venu. Ouais, c'était vraiment super. C'était chouette. C'était trop cool. Le premier live de Louise, donc quand même. Ouais. Et on se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, pour Spider-Man. Je sais pas encore, je pense qu'on parlera des méchants. Et on se retrouve mardi prochain pour un live qui n'a pas encore été dévoilé. Ce sera dévoilé demain, de quoi on parle. Voilà. Bisous. Salut tout le monde. À bientôt. À bientôt. Et merci Louise d'être venue. Merci à toi de m'avoir invitée. Oui. J'ai l'impression d'être importante. Oui, mais tu es importante. Je passe à la télé, maman. Coucou mamie, voilà. Merci. Et dédicace à la 5e B. Oh waouh. J'étais en 5e A, j'ai oublié. Les vrais savent.